Bonsoir. Ah, est-ce qu'on m'entend? Ça y est, j'ai bien le son. Est-ce que le son est bon? Oui, c'est un peu trop bas. Pour les techniciens, son, on entendait mieux tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance du Conseil municipal. Alors, la première de la mandature qui se déroule ici, dans la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville, puisque vous le savez, jusqu'à présent, dans le cadre de la crise sanitaire, nous étions délocalisés à la salle Félix Arnaudin, puis à la salle du Temps Libre. Donc c'est une première ici dans cette salle du Conseil. Une salle du Conseil avec quelques touches de rose ce soir à gauche à droite. Dans le cadre d'Octobre Rose, vous le savez, c'est cette opération annuelle de sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein et puis de récolte de fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer. Voilà, et je rappelle que dimanche, il y aura un événement sur la place du marché concernant Octobre Rose, où vous pourrez acheter notamment ces foulards pour soutenir la cause. J'ouvre donc cette nouvelle séance du Conseil municipal, et nous allons commencer avec les procurations et les absents, pour vous dire que Delphine Grelier-L'Église donne procuration à Sylvie Péducasse, que Monsieur Joël Léonard donne procuration à moi-même, que Madame Catherine Beaulieu donne procuration à Martine Gaille, que Monsieur Jacques Maillefer donne procuration à André Humeau, que Dominique Morin donne procuration à Michel Serré, que Monsieur Laurent Lafourcade donne procuration à Catherine Rabat-Lagrasse, que Jean-Claude Blanès sera absent ce soir et qui ne donne pas procuration, il s'excuse, et que Catherine Favard est en retard et qu'elle nous rejoindra. Voilà, le quorum étant atteint, la séance peut légalement se tenir. Il nous faut donc désigner un ou une secrétaire de séance. Pour ce soir, ce sera Hélène Deiris. Merci. L'ordre du jour appelle 15 points aujourd'hui et nous allons commencer avec une communication concernant le projet d'Axe 2035 ainsi qu'une communication que l'on a rajoutée concernant le Festival des artistes de cirque. Le premier point, je fais tourner la fiche voilà, de présence, merci. Le premier point, nous souhaitions apporter un éclairage concernant le projet d'Axe 2035, puisque nous avons été sollicités par de nombreux habitants. Concernant donc ce projet d'Axe 2035 qui a été présenté par monsieur le maire de Dax et que nous avons nous aussi en fait découvert dans la presse, et plus particulièrement ce qui est appelé l'objectif numéro 5 de création d'un parc de la Dour, qui s'étalerait sur le territoire Saint-Paulois jusqu'au lac de Christus et même jusqu'à l'étang de la Courbe. Nous avons été très surpris de cette perspective, puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun échange entre les villes de Saint-Paul et Dax et de Dax, ni même à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Parmi d'autres sujets, seul le quartier du Sablard a été clairement discuté dans le cadre de notre rencontre avec les consultants de la ville de Dax en tant qu'interface forte entre nos deux cités. J'ai donc contacté M. Julien Dubois, le maire de Dax, pour lui faire part de ces éléments. De nos échanges, il m'a dit qu'il s'agissait là de simples pistes de travail, notamment avancées par les consultants. Cela nous interroge toutefois sur la méthode. En effet, nous venons de voter un projet d'agglomération qui avait été présenté la veille de Dax 2035 et pour lequel ces éléments du parc de la Dour n'ont jamais été évoqués. De même, les éléments décrits en territoire Saint-Paulois reprennent le schéma cycle mis au point et validé en commission au mois de juin pour l'ensemble du territoire intercommunal et qui attend d'être approuvé en séance plénière du Grand Dax. Pourquoi avancer d'un seul côté, la ville de Dax, plutôt qu'avec l'ensemble des acteurs de l'agglomération? Enfin, je rappelle à toutes fins utiles que seuls les représentants des citoyens Saint-Paulois élu par le suffrage universel, dispose de la légitimité de régler les affaires de la commune et que nous restons disponibles pour parler de tous les sujets concernant la communauté d'agglomération. Voilà pour ces quelques précisions que je souhaitais apporter suite aux remontées des habitants Saint-Paulois. Un deuxième élément de communication qui concerne le Festival des artistes de cirque, et je laisse la parole à Monsieur Sébastien Ducasse. Merci Monsieur le maire. Une question approfondie et plus générale a également conduit à faire évoluer la date du festival. C'est ainsi que la prochaine édition aura lieu en avril 2022, à l'occasion du week-end de Pâques, et non en novembre comme habituellement. Ce créneau ayant vocation à être conservé pour les années futures, en fonction bien sûr des périodes de vacances scolaires.
Alors que cela fait maintenant près de 2 ans que nous sommes tous sevrés de la magie circassienne sur notre commune, nous n'aurons donc pas à attendre jusqu'à l'automne 2022 pour retrouver la piste aux étoiles. Nous nous en réjouissons tous. Tout sera mis en œuvre dans les mois à venir par l'association et l'ensemble de ses partenaires afin de faire revivre au plus vite de merveilleux moments aux amateurs de cirque dans le strict respect, bien sûr, des protocoles sanitaires en vigueur. Les nombreux bénévoles pourront évidemment compter sur le soutien indéfectible de la ville de Saint-Paul-et-Dax, qui sera une nouvelle fois au rendez-vous, toujours présente et constamment à l'écoute de l'association, comme elle l'a été depuis juillet 2020, avec l'envie malheureusement déçue que le festival puisse se tenir en 2021. Nous portons tous l'ambition et l'espoir de retrouver très bientôt les artistes du monde entier sous le grand chapiteau du temps libre. Rendez-vous est donc pris pour avril 2022. Pas d'observation. Nous allons donc pouvoir dérouler l'ordre du jour. Et juste auparavant, je vais mettre à l'approbation des voix le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des observations ? Non. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, 5 contre avec la procuration et qui s'abstient, 3 abstentions. Le point numéro 1 appelle la signature d'une convention entre la communauté d'agglo du Grand Dax, avec la communauté, pardon, d'agglomération du Grand Dax, pour des logiciels d'aide à l'application du droit des sols. Et c'est moi-même qui vais vous la présenter. Donc pour vous dire qu'au 1er janvier 2022, le législateur a mis en place une obligation pour les communes et les EPCI comme le Grand Dax, instruisant les autorisations d'urbanisme d'accueillir des dossiers de manière totalement dématérialisée. Ce guichet unique des autorisations d'urbanisme oblige les collectivités à adapter à la fois leur mode de fonctionnement, mais également leur logiciel métier. Dans le cas de cette mise en place, le Grand Dax, qui utilisent le même logiciel mais avec des bases de données différentes, et la ville se sont rapprochés pour étudier une possibilité de mise en commun des outils métiers permettant de réaliser à la fois l'instruction mais également la dématérialisation à venir. La communauté d'agglo du Grand Dax a accepté, comme elle le fait pour les autres communes de l'agglomération dont elle assure l'instruction du droit des sols, de mettre à disposition ces outils à titre gracieux. Cela nécessite donc la conclusion d'une nouvelle convention entre notre ville et la communauté d'agglo du Grand Dax. Pour information, notre commune conserve une base de données propre et bien entendu l'instruction en interne des autorisations d'urbanisme. C'est pourquoi il est demandé ce soir à notre conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition à titre gracieux d'un service logiciel d'aide à l'application du droit des sols entre la communauté d'agglo du Grand Dax et la commune de Saint-Paul-et-Dax, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et ses éventuels avenants. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à cette convention ? Non, jamais donc aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 appelle une autre convention, cette fois-ci avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, et c'est monsieur Alain Godot qui vous la présente. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc signature d'une convention de partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, dite Bordeaux Sciences Agro, pour l'exécution des travaux d'études sur le potentiel agricole et alimentaire en circuit court. Comme vous le savez, l'équipe municipale a pour ambition de favoriser les circuits courts et de proximité alimentaire sur son territoire afin de développer une ceinture verte maraîchère, agricole et forestière. Pour atteindre son ambition, la municipalité a besoin d'avoir une vision d'ensemble sur son territoire actuel et également une vision stratégique sur son territoire de demain. C'est pourquoi elle fait appel aux étudiants en Master 2 avec la spécialisation agriculture, proximité, territoire d'ici et d'ailleurs, de l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, qui, dans le cadre d'un projet de fin d'études, vont réaliser 2 cartographies de notre territoire, état des lieux actuels et vision stratégique. Dans le cadre de cette étude, il est prévu, entre autres, une semaine sur le terrain à la rencontre des producteurs locaux, une analyse des freins et leviers à l'accroissement du potentiel, une analyse de solutions permettant d'accroître le potentiel. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer une convention de partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine pour l'exécution des travaux d'études, dont l'objet est défini dans le cahier des charges 6 juin.
Donc le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le projet de convention et le cahier des charges 6 juin, considérant la volonté de la commune de développer des circuits courts et de proximité alimentaire sur son territoire, après avoir entendu son rapporteur et les interventions éventuelles, donc je lis la délibération. Donc article 1. Monsieur le maire est autorisé à signer une convention de partenariat avec l'École nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux-Aquitaine, dite Bordeaux Sciences Agro, pour l'exécution des travaux d'études sur le potentiel agricole et alimentaire en circuit court de proximité, ainsi que tout document s'y rapportant. Article 2, les dépenses seront affectées au budget de la commune. Voilà. Est-ce qu'il y a questions éventuelles ou des remarques ? Pas de questions. On met donc la délibération aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc pouvoir aborder le chapitre des affaires financières, qui est relativement copieux ce soir, avec 5 points à l'ordre du jour, et particulièrement le premier, qui appelle le débat d'orientation budgétaire, qui est un élément important, fort, pour notre collectivité. Et vous le voyez, on l'avait dit l'an dernier, nous souhaitions nous mettre en route pour faire en sorte que le budget 2022 soit adopté dès l'année 2021. C'est pourquoi ce soir, fin octobre, nous avons ce débat d'orientation budgétaire. Et pour nous orienter ensuite vers un vote, une adoption du budget, lors de notre séance du conseil municipal du mois de décembre. C'est monsieur Jean Lavianne qui vous présente tout ceci. Bonsoir à tous. Vous avez été tous destinataires donc, de ce rapport d'orientation budgétaire. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, d'en faire une synthèse. Et pour cela, nous avons PowerPoint qui va dérouler au fur et à mesure que je vais vous expliquer un petit peu l'essence même de ce ROB. Alors, vous voyez que le débat d'orientation budgétaire, ça je ne vous l'apprends pas, il est obligatoire avant le vote du budget primitif de la commune. Il doit donc se tenir dans un délai de 2 mois avant le vote du budget primitif. Ce débat d'orientation budgétaire s'accompagne d'un rapport d'orientation qui présente dans les grandes masses les orientations prises par la commune pour le budget à venir. Alors ce ROB sert donc de support au débat en conseil municipal sur la politique financière mise en place par la majorité municipale. Il contient des données obligatoires, par exemple l'état de la dette, le focus particulier sur les dépenses personnelles notamment. Alors, désormais, il y aura un nouveau calendrier budgétaire. C'est effectivement un grand changement pour notre mairie. Monsieur le maire vient de vous l'expliquer. Et nous allons en reparler dans les slides qui vont suivre. Là. Alors, il y aura une nouvelle méthode de... Alors, nouveau budget, nouveau calendrier. Monsieur le maire l'a défloré un petit peu tout à l'heure. Alors, historiquement, le budget de la ville était voté au mois de mars de l'année d'exécution. Toutes les dépenses et recettes provenant de l'année passée sont connues au moment du vote. Le montant des dotations est connu également. On connaît le solde positif ou négatif du budget précédent. Alors, les crédits sont ouverts tardivement, ce qui freine le travail des services jusqu'au vote du budget en mars. De nombreux reports de crédits sur l'année suivante sont réalisés. Alors, à présent, le budget de l'année N plus 1, donc celui de 2022, sera voté en décembre de l'année N. Alors, le démarrage dès le 1er janvier de l'exécution du budget sera réalisé, avec moins de reports de crédit. Une exécution budgétaire sera calée sur l'année civile. Il y aura une obligation de suivre de manière fine les dépenses et recettes tout au long de l'année pour les estimer au plus juste lors de la construction du budget suivant. Par contre, un petit inconvénient, c'est peut-être l'obligation d'estimer les dotations et recettes. La reprise du solde positif de l'année passée dans un budget supplémentaire dont on va parler, pareil, tout à l'heure dans le slide qui suit. Alors concrètement, ce que je viens de vous expliquer. Donc nous sommes en octobre 2021. Nous sommes en train de débattre. Nous avons un ROB et nous débattons. En décembre 2021, donc, nous voterons le budget primitif pour l'année suivante. En mars... Donc nous voterons le CA 2022. En mai-juin,
éventuellement, nous ferons donc un budget supplémentaire, toujours 2022, et ensuite on reprendra le cycle qu'on attaquait ce soir aujourd'hui, c'est-à-dire octobre 2022, on parlera du ROB en débat d'orientation budgétaire pour le budget de 2023. Voilà, et décembre donc 2022, nous voterons le BP 2023. Alors, il nous faut parler du contexte national et de l'impact de la loi de finances 2022 pour le budget. Le projet de loi de finances est actuellement en débat à l'Assemblée nationale. Le vote final est attendu pour novembre et décembre. Donc ce projet de loi de finances, on va appeler PLF, il reconduit à l'identique les dotations pour l'ensemble des communes, mais l'information que nous avons, ils seront répartis différemment avec une augmentation de la dotation de solidarité urbaine, ce que nous espérons. Alors il y a une possible majoration de la DSU pour la ville. C'est une observation qu'on a faite. Tous les ans, cette DSU augmente d'un petit pourcentage. Il n'y a pas de raison que cette année, cette augmentation n'ait pas lieu. Par contre, il risque d'y avoir une possible diminution de la DGF, comme tous les ans depuis pas mal d'années, pour la commune, puisque l'enveloppe est la même, mais répartie différemment. Voilà, il est prévu 1,13 million en 2021. Et nous estimons à 1,111 million estimé pour le budget prochain. Alors, ce PLF 2022, il prévoit la modification des bases de calcul d'un certain nombre de dotations. Il faudra le surveiller de près, car selon les données nouvelles intégrées, nous risquons de ne plus être éligibles à certaines d'entre elles, par exemple la dotation de solidarité urbaine. Alors, toujours dans le contexte national, il faut préciser que la suppression de la taxe d'habitation, dont 80% des ménages ne la payent plus, et pour les 20% restants, l'abattement de 65% du montant de cette année. Voilà. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe. C'est une promesse du gouvernement de compenser à l'euro près cette perte. C'est une perte de levier fiscal, puisque nous ne l'avons plus, pour les communes. C'est une promesse, comme on dit, et ça n'engage que ceux qui les croient. Alors donc, il faut toujours être méfiant par rapport à ça, puisque malheureusement, le calcul de cette compensation peut toujours être contesté par les uns ou par les autres. Le bloc communal ne dispose plus comme levier fiscal que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, le taux étant figé jusqu'en 2022. Donc le retour du pouvoir de les modifier ne sera pas possible avant 2023. Donc il nous reste la taxe foncière sur le bâti et non bâti. Alors, les orientations en dépenses. Concernant la section de fonctionnement, pour les charges à caractère général, c'est le chapitre 11, donc, c'est-à-dire le fonctionnement, mais hors les frais de personnel. Le travail engagé pour trouver de nouvelles marges de manœuvre a été réalisé pour ne pas augmenter les dépenses et les services au-delà du nécessaire. Résultat, concernant ce BP donc 2022, Nous pensons à 3,3 millions d'euros de dépenses prévues contre un prévisionnel de 3,4. Il y aura donc 3,3 millions d'euros de dépenses prévues contre un prévisionnel de 3,4 consommés en 2021. L'intégration de la crèche, donc ça représente 85 000 euros de frais de fonctionnement hors personnel, portera le chapitre 11 en 2022 à un peu moins de 3,4 millions d'euros, soit au même niveau qu'en 2021. La crèche en plus, donc. À tout cela, en intégrant de nouveaux services en année pleine. Alors, un service périscolaire et jeunesse unifié et pleinement intégré par la commune. La refonte du lieu d'accueil parents-enfants. Entre parenthèses, c'est donc tous les mercredis à côté de la crèche municipale, de 9 à 11h30, pour plus de précision. Ensuite, il y aura donc toujours un pôle culture et patrimoine étoffé, de nouveaux événements sportifs, culturels et ludiques, tout le fonctionnement courant des autres services. Donc les orientations en dépenses pour cette section de fonctionnement. Alors pour les associations, nous tenons toujours à faire un soutien fort pérennisé encore cette année. Alors ça sera toujours un maintien d'une enveloppe supérieure à 250 000 euros pour accompagner ces acteurs essentiels
de notre vie Saint-Pauloise. De plus, nous avons prévu plus de 400 000 euros pour l'action sociale et le fonctionnement du Centre communal d'action sociale et des EHPAD. Ensuite, il y aura toujours la poursuite de la modernisation des services et de la relation avec les usagers, avec un maintien de la nouvelle périodicité de parution du magazine municipal, le développement de l'application Simplicité et du guichet unique, que vous avez certainement tous dans votre portable, et la dématérialisation totale des actes et circuits de signature interne en mairie. Alors, en section de fonctionnement toujours, concernant le personnel municipal, le BP 2022 prend en compte en année pleine les différents mouvements, reclassements et recrutements. Parmi les événements notables, l'intégration de l'ex-foyer des jeunes, ça représentait 11 postes, l'ouverture de la médiathèque, 4 postes, le reclassement professionnel de 6 agents, l'intégration de la Clège dans le budget de la ville, ça représente 29 postes. 24 titulaires et 5 contractuels exactement. Voilà, vous avez le tableau sous les yeux. Alors, les dépenses de personnel devraient être arrêtées en 2021 à 9 millions d'euros et portées en 2022 à 10,25 millions d'euros. Donc, je le précise toujours, les 850 kilo-euros de la crèche. Alors, en section de fonctionnement, les orientations en recettes. Alors, l'atterrissage 2021, que nous avons pu constater donc en recettes, est plus optimiste que la prévision budgétaire effectuée en mars 2021, cela notamment grâce à la reprise des activités avec l'amélioration de la situation sanitaire. Au total, 15,4 millions d'euros attendus contre 15 millions d'euros estimés. Pour 2022, la prévision de cette recette totale, impôts compris, sera arrêtée à 16 millions d'euros. Et parmi les recettes qui évoluent, il y aura donc une année pleine de périscolaires et centres de loisirs, 129 500 euros estimés, une année pleine de bases de loisirs et de maisons de quartier, 23 000 euros estimés, la réévaluation à la hausse du produit de la restauration scolaire grâce aux prévisions fines permises par le guichet unique, 310 000 euros, contre 295 000 euros inscrits au BP 2021. Donc il y aura la reprise de la crèche aussi, 638 000 euros, subventions comprises. Alors, la fiscalité, un petit historique. L'ancienne majorité municipale a augmenté dès 2014 de près de 0,5 points les impôts de Saint-Paulois. En 2015, elle a supprimé l'abattement général à la base de 15%. Et en 2016, cette même mandature a une nouvelle fois augmenté très significativement les impôts des familles saint-pauloises. Vous avez les tableaux en dessous. Alors, en fiscalité, la baisse de l'impôt dès 2022, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Avec la suppression de la taxe d'habitation, les communes ne peuvent plus agir que sur les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, on l'a dit tout à l'heure, et la taxe d'habitation sur résidence secondaire sera possible à partir de 2023. Devant ce constat, et comme annoncé dans son programme, nous avons annoncé une baisse de la fiscalité, donc, et nous étudierons en 2022 l'ensemble des données fiscales permettant de mettre en place une politique différente et plus juste pour l'ensemble des ménages saint-paulois. Dès mars 2022, c'est un moment où on va voter les taux, il y aura donc moins un point sur le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit 36,39% au lieu de 37,39%, et moins 1,49 point sur la non-bâtie, soit 54,33%, au lieu de 55,82%. Cela représente pour la commune un effort de 180 000 euros. Concernant les recettes de fonctionnement, dotation et attribution de compensation, l'enveloppe communale des dotations est stable dans le projet de loi de finances 2022. Néanmoins, la répartition est changée.
Donc il faudra être vigilant parce que nous estimons une baisse de 2% de la dotation globale de fonctionnement, soit un montant de 1,11 million d'euros contre 1,13 million en 2021. En revanche, la dotation de solidarité urbaine pourrait augmenter et nous prévoyons donc 433 000 euros en 2022 contre 427 000 euros en 2021. S'agissant de l'attribution de compensation versée par la communauté d'agglomération du Grand Dax, celle-ci devrait diminuer. 1,49 million euros en 2022 contre 1,69 million en 2021. Pour tenir compte de deux choses, de l'investissement supplémentaire de près d'un million d'euros pour la ville, que la ville injecte pardon, dans le plan de financement de rénovation des voiries entre 2021 et 2024, et des discussions non encore abouties sur l'évaluation des charges transférées propres à l'exercice normal de la compétence voirie. Alors, les investissements. Un petit point d'étape et quels sont les nouveaux projets? La ville continue d'investir pour améliorer les équipements publics et le quotidien des habitants. Vigilance particulière est portée au coût des projets dans la mesure où la crise sanitaire a un impact très fort sur le prix des matériaux. On parle aujourd'hui de 10 à 15% supplémentaires. Les projets structurants. Il y a une inscription d'une somme de 50 000 euros dans le cadre de la mise en place d'un budget participatif citoyen. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Restructuration du site de Toumalin, où les composantes du projet sont définies. La désignation de l'architecte et la recherche de subvention en 2022, 100 000 euros inscrits en 2022. Études de prospective urbaine. Bon, le diagnostic initial est réalisé. La réalisation de fiches actions chiffrées en 2021-2022 pour entamer la restructuration du cœur de ville sont à l'étude. La transformation du Boulogne-Poussagnac en maison des arts et de la culture. Alors là, le prestataire désigné pour effectuer l'étude de faisabilité technique et opérationnelle pour 38 000 euros en 2021 sera rendu mi-2022. Alors, les investissements, toujours. La rénovation énergétique de l'école maternelle Jules Barouillet et de la cantine du groupe scolaire. Martine Gaille va vous en parler tout à l'heure. Le projet est lancé. Prestataires sont en cours de désignation. La réalisation en 2022 pour un montant de 2,1 millions d'euros répartis entre le budget 2021 et celui de 2022 est un objectif. L'autonomie énergétique, lancement du projet Candate. On en a parlé de multiples fois. Donc ce lancement sera réalisé en 2022. Vous savez ce que c'est, la réalisation d'une aire de panneaux photovoltaïques avec une production visée d'environ 5 MW. Pour vous faire une petite idée, c'est supérieur à la consommation du parc communal en gaz, électricité et éclairage public. Ça représentera donc cet investissement 260 000 euros au budget 2022. Prévu aussi la rénovation de l'EHPAD Loustau. L'étude de faisabilité opérationnelle a été lancée en 2021 pour un montant de 20 000 euros et sera rendue dans les 4 à 5 mois à venir. L'agrandissement du centre de loisirs. L'étude en 2022 et le lancement projeté des travaux en septembre 2022 sont programmés et pour 130 000 euros au budget 2022. La rénovation de la maison des associations. Eh bien, nous allons réaliser donc cette année l'étude et la définition du projet dans le courant de cette année. Voilà. Alors, les investissements. Faisons le point d'étape et donc des nouveaux projets. Il y en a encore. Je n'ai pas fini la liste. Il y aura la réalisation d'un projet participatif en régie, début 2022, pour une estimation de 80 000 euros estimés. C'est ça. Le site d'Abès. Les négociations sont en cours avec le département pour l'acquisition d'une grande partie des terres. La finalisation fermée 2021 pour une acquisition donc
dans le courant de cette année. 2022. L'acquisition de l'année 2022, oui, puisqu'on parle toujours du budget. Oui, oui. On parle de 2022. Alors, la voirie. Près d'un million d'euros pour la création de deux équipements visant à fluidifier la circulation et sécuriser les mobilités douces, avenue Pierre-Benoît et à proximité du tabac Le Vieux Tachoir. Bon, il reste encore tous les autres travaux et investissements en cours qu'il serait vraiment très, très long de citer. Alors, le financement de tous ces investissements, alors il y a bien sûr le FCTVA 2022 pour 400 000 euros, la taxe d'aménagement, environ 300 000 euros, et puis on est toujours, alors on a quelques résultats qui tombent, mais on est toujours en recherche de subventions du côté de l'État, des fonds FEDER, les fonds FEDER c'est les fonds européens, la région, le département. Alors, si nécessaire, l'on verra, hein, nous avons la possibilité d'inscrire un emprunt dont le montant sera à définir d'ici au vote du budget dans 2 mois. Quoi. Alors, il y a aussi, bien sûr, la reprise du résultat antérieur, mais ça, on pourra en savoir plus après le compte administratif 2021, donc au mois de mars. Alors, des tableaux sur l'état de la dette. L'état de la dette, c'est une obligation aussi de vous le présenter. Donc ça n'a pas changé puisque nous n'avons, par rapport à l'année dernière, en gros, puisque on a passé une année, mais on n'a pas levé d'emprunt depuis qu'on est élu. Donc vous voyez qu'il y a donc 12 emprunts à taux fixe qui représentent 5 570 019 euros. Il y a un emprunt à taux variable qui représente un capital restant dû de 1 250 000 euros. Il y a 2 emprunts structurés qui représentent 882 256 euros de capital restant dû. Voilà. Alors, vous avez le profil d'extinction de la dette. Il y a une baisse significative, on peut le voir, entre 2014 et 2025, avec la fin de 2 emprunts. Voilà tout ce qu'on peut remarquer de plus remarquable, d'ailleurs. Donc, vous voyez que la ville dispose donc d'une marge de manœuvre pour aller chercher éventuellement un autre financement par l'emprunt. Voilà. Ben, je crois que j'en ai terminé. Les questions sont les bienvenues. Et donc le débat est ouvert puisque c'est un débat d'orientation budgétaire. Christine Giraudet, il doit y avoir des micros présents sur les tables. Sinon, celui-ci, on a 2 micros en stock. Non, mais alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a du gel hydroalcoolique à votre disposition sur les tables. Voilà, Christine Giraudet. Alors, comme vous nous l'avez expliqué, nous ne pouvons également qu'approuver l'anticipation de ce DOB qui nous permettra de voter un budget avant la fin de l'année civile 2022. Et ainsi, nous pourrons avoir une meilleure projection. D'autre part, nous tenions à souligner que le regroupement des différents budgets, c'est-à-dire principal et annexe, nous paraît également plus pertinent, nous permettant ainsi une meilleure compréhension et interprétation des chiffres présentés. Nous notons simplement que le DOB présenté a été élaboré dans la perspective pour une année 2022 avec un retour à la normale sans incidence de la pandémie Covid, en espérant qu'on soit dans une projection très positive. Donc, nous allons parler en premier lieu de la section de fonctionnement. Il faut bien entendu analyser l'évolution des charges à l'aune du rattachement du budget crèche, qui devient désormais une partie prenante du budget ville, et notamment au niveau de la masse salariale. Même si la présentation concernant la masse salariale faite ce soir semble cohérente avec les changements dus à l'intégration des agents de la crèche, nous resterons néanmoins vigilantes sur l'évolution de cette dernière lors des mois et des années à venir. Concernant les recettes, tout comme vous, nous ne pouvons que nous satisfaire de pouvoir constater la dynamique de la recette fiscale liée au levé sur la commune, qui est notamment due aux recettes foncières, qui est le fruit d'une dynamisation engagée depuis plusieurs années, y compris sur le mandat précédent. Nous sommes convaincus que cela devrait se poursuivre encore durant quelques temps au vu des chantiers en cours et à venir. Nous souhaiterions tout de même faire remarquer que nous restons quand même inquiètes sur l'évolution des reversements intercommunautaires que nous espérons que l'engagement financier mis en place par la commune pour la réfection de la voirie sera concluante car l'état des routes saint-pauloises reste profondément inquiétante.
Pour ce qui est de la section d'investissement, nous constatons, comme en 2021, qu'il s'agit essentiellement d'études ou de premières réserves budgétaires inscrites pour des projets futurs. Nous sommes satisfaits de pouvoir y retrouver la majeure partie des projets de campagne qui avaient été annoncés, et nous restons quand même soucieuses de la capacité technique et financière de les voir aboutir avant la fin de votre mandat. Pour conclure, nous serons attentifs aussi au devenir du site d'Abès, qui non pas seulement par rapport à son acquisition auprès du syndicat mixte, mais également sur son entretien et sur sa revalorisation. Merci justement de laisser la parole à Monsieur Dominique Romain. Une précision sur la taxe foncière, à titre personnel, je ne sais pas pour les collègues, mais je n'ai pas bien compris la remarque. C'est sur les produits qui viennent des différents mouvements fonciers, pas de la taxe foncière. Les droits de mutation voilà, et compagnie. Exactement. D'accord. Oui, bonsoir. Nous partageons quasi totalement l'analyse de Christine. Quelques points complémentaires. Enfin, je ferai une intervention sur quelques remarques et une ou deux précisions, si vous pouvez nous les donner. Je reviens à ce qu'elle disait, Christine. Effectivement, la globalisation du budget crèche avec le budget ville, c'est une bonne idée. Sauf que pour nous, ça nous invite aujourd'hui, à faire une analyse un peu plus fine de l'évolution de certains taux. En sortant la crèche, je vais y revenir. En ce qui concerne la section de fonctionnement, Christine en a parlé, et notamment les dépenses de fonctionnement, nous aussi, nous sommes attentifs à l'évolution des charges de personnel. J'ai fait un petit calcul. Les charges de personnel, quand même, augmentent hors budget crèche, je tiens à dire, hors les 856 000 euros du budget crèche. Elles augmentent de 13% par rapport à 2020. Et 4% par rapport à 2020, T1, qui intégrait simplement 6 mois de charges de personnel d'intégration du foyer. Donc c'est un point d'attention sur les charges de personnel. D'autant plus, je dirais, que vous avez présenté votre programme, pas mal de projets qui nécessitent des compétences humaines et techniques. Donc c'est un point de vigilance, à mon avis. On ne peut pas parler de dépenses de fonctionnement si on ne rapproche pas ça par rapport aux recettes. Le total des charges de gestion courante évolue de 6% par rapport à 2021 et 14% par rapport à 2020. Alors qu'en même temps, les recettes de gestion courante augmentent quant à elles de 5% par rapport à N-1 et N-2. Ces quelques chiffres pour faire remarquer à l'Assemblée pas une interrogation, mais là aussi un point de vigilance. Ne risque-t-on pas, et c'est un point qu'a relevé également Christine, un certain étranglement entre un excédent budgétaire qui aurait tendance, j'applique le conditionnel aujourd'hui, qui aurait tendance à se rétracter, et donc une moindre capacité d'autofinancement après remboursement de la dette, qui est aujourd'hui de 840 et quelques mille euros. Ne risque-t-on pas de rencontrer des contraintes financières pour assurer l'ensemble de l'application de votre programme ? Bien sûr, le recours sera, vous commencez à en parler, à l'emprunt, c'est une chose, aux subventions, mais quand bien même, l'excédent budgétaire, on sera très attentif sur l'excédent budgétaire parce que cette évolution de charges et de recettes, cette contraction donnera, à mon avis, peut-être moins de capacité à la commune d'investir dans son programme d'investissement. En matière de recettes de fonctionnement, voilà, c'est une petite question, effectivement. Je reviens là aussi sur ce point, notamment sur l'évolution de l'attribution de compensation. Monsieur l'adjoint aux finances nous a fait état d'une baisse. Est-ce que c'est une petite question? Est-ce qu'il pourrait nous préciser quels sont les éléments qui permettent de dire que cette baisse sera également constatée sur 2022, voire 2023 et certainement 2024? Je ramène cette question, vous vous en doutez bien,
au sujet de la voirie. Concernant les taxes foncières, vous avez fait un tableau reprenant l'évolution des taxes foncières sur la précédente mandature. Elles ont augmenté, je ne vais pas vous dire le contraire, elles ont augmenté, ce qui permet d'avoir une base de compensation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que les taxes communales qui ont augmenté, les taxes départementales ont augmenté également, puisque le département a augmenté les taxes foncières de 21% sur la même période. Et à cela, on rajoute la taxe intercommunale, plus récemment la taxe GEMAPI, pour laquelle vous avez voté une application de la taxe GEMAPI de 1,23, sauf Sylvie Péducasse, si je me rappelle bien. Vous avez voté une augmentation de la fiscalité intercommunale de 1,23%. Les taux des taxes foncières baissent de 180 000 euros. C'est un premier effort, et tant mieux pour les Saint-Paulois propriétaires. Je rappelle, ceci dit, que vous faisiez état lors de la précédente mandature que vous estimiez la cagnotte fiscale à redistribuer à l'ensemble de la population saint-pauloise à 1 million d'euros. Mais c'est un premier effort. C'est un premier effort. Donc on verra par la suite. Je reviendrai également sur la notion des droits de mutation. Je crois me rappeler que toujours monsieur l'adjoint aux finances faisait état d'un problème d'attractivité de la ville lié à l'augmentation de la fiscalité. Et en fait, le résultat est que les droits de mutation continuent à augmenter, ce qui est un bon signe, je veux dire, sur les mandatures précédentes, que Saint-Paul, c'est une ville agréable à vivre. Une petite remarque, mais qui n'est pas présentée ici, c'est que sur le commentaire dont vous faites état sur la présentation, vous faites état des droits de mutation de 660 000 euros qui sont budgétés. Et sur le tableau, vous reprenez 700 000 euros. Il y a un petit écart de 40 000 euros qu'il y a lieu de corriger, tout simplement. En matière d'investissement, vous reprenez un peu votre programme. Vous reprenez ce que vous avez annoncé l'an dernier. Et l'an dernier, notamment, vous avez annoncé la restructuration de tout malin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce qu'il y a eu une estimation du budget d'investissement sur tout malin? Je veux dire, il y a des budgets qui est débloqué sur 2002 sur les études. Ça a été fait également en 2021 pour 53 000 euros, si ma mémoire est bonne. Bon, j'ai vérifié quand même. C'était pour savoir donc si vous pouvez en dire plus sur les Saint-Paulois et notamment sur le coût financier. La perspective, vous parlez également de la prospective urbaine, très bien, transformation du moulin de Poussagnac. Bon, tous ces chantiers étaient donc énoncés sur 2021. Les projets, bien sûr, s'étalent sur plusieurs années. On en a tout à fait conscience. Un point, peut-être qui est un peu en marge du sujet ce soir, mais quand même qui est essentiel. Vous faites état d'un investissement de la voirie de l'ordre de 600 000 euros. Je voulais simplement savoir comment s'articulent ces 600 000 euros. En fait, ça n'a pas été présenté ici, mais sur le document que vous nous avez communiqué, vous avez indiqué au préalable, lors de votre campagne, que vous allez doubler le budget de la voirie. Or, ce budget est actuellement de 321 000 euros. Et à la lecture de vos documents, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas un doublement annuel, c'est un doublement étalé sur 3 ans, à hauteur, une enveloppe supplémentaire, si je ne me trompe pas, d'un tiers de 321 000 euros. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que c'est une enveloppe supplémentaire de 600 000 euros étalée sur 3 ans. Je parle supplémentaire, on parle supplémentaire. Ou 4 ans, pardon. En 2021, il n'y a pas eu grand-chose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il en est
Quelle est la relation par rapport, et je rebondis sur la première question, par rapport à l'attribution de compensation, de la baisse à l'attribution de compensation? Et éventuellement, on reviendra peut-être sur le sujet. On reviendra sur le sujet où c'est qu'on en est au niveau de la CLEC. Voilà. Je pense que cette notion d'attribution de compensation et de dotation de solidarité est quand même importante. Monsieur l'adjoint aux finances en a fait état ici même ce soir. Donc, pour les Saint-Paulois, peut-être il serait bon qu'ils aient un éclaircissement sur ce sujet. Quoi. Ensuite, mais ça, c'est pas pour maintenant, mais ça va venir, toujours en matière financière, je me pose quelques questions quant à nos futures capacités financières qui devront, directement ou indirectement, venir en parallèle à la salle communale, à la salle intercommunale, je veux dire, que l'agglomération donc projette de créer, c'est une très bonne chose au demeurant, reste à définir le lieu, et comme vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur le maire, le financement. La question de savoir, est-ce qu'on pourra, Saint-Paul pourra tout faire, tout assurer? Voilà, c'est une question. Je trouve que les projets sont volontaristes, mais ne risquons pas d'avoir des contraintes financières par rapport à ces projets. Voilà, c'est quelques petites remarques. Merci. Alors, monsieur Romain, il y avait beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes. Alors, vous aviez du souci par rapport à l'excédent de fonctionnement, je suppose, et la diminution. Oui, mais c'est excédent budgétaire, c'est exactement ça. Hein, voilà. Donc, oui, effectivement, quand on passe de 3,2 millions d'excédent de fonctionnement quand vous étiez aux manettes. Je l'ai déjà expliqué, c'est parce que au lieu de faire de la gestion communale, vous avez fait de la comptabilité. Et alors, il ne faut pas se gargariser du fait que ça a dégagé de l'excédent, votre gestion, parce qu'en fait, cet argent-là, il a dormi. Et ce qui est grave, c'est que dans le même temps, vous avez augmenté les impôts. Ça veut dire que vous avez non seulement fait les poches des Saint-Paulois, mais cet argent-là, vous ne l'avez pas utilisé pour justement rendre service à la population. Donc effectivement, nous, on procède différemment. C'est-à-dire que vous avez pu remarquer que on fait réellement de la gestion. C'est-à-dire que aujourd'hui, chaque service suit à l'euro près toutes les dépenses. Ils vont être capables très rapidement. Ils l'ont été, puisque pour réaliser le prochain budget, ils ont déjà fait remonter leurs dépenses réelles dans l'année 2021. Et que ça permet comme ça de programmer pour 2022 une dépense réelle. Et quand on fait un budget, on sait exactement où on va. On fait de la prospective financière et on sait exactement où l'on va. Alors que vous découvriez, tiens, eh ben, hop, on a 3,3 millions d'excédent de fonctionnement. Non, ça, c'est pas de la gestion. Ça, c'est du bon père de famille, mais ce n'est pas de la gestion financière à hauteur de ce que la population est en droit d'en attendre de la gestion de sa commune. Après, vous avez parlé de voirie. Alors, la voirie, on est en pleine discussion encore avec la communauté. Au niveau de, vous connaissez la commission locale d'évaluation des charges transférées, la fameuse CLEC. On a encore eu une réunion il y a quelques jours. Mais ce n'est qu'une commission. Ça veut dire qu'à nouveau, il faudra que les communes se déterminent par rapport à la nouvelle proposition de la communauté d'agglo. Or, ce n'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Parce que quand on apprend des choses en commission, quand on en apprend encore dans les journaux, forcément, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quand on nous dit qu'il manque 1,5 million tous les ans parce qu'on est obligé de prendre sur le budget général de la communauté d'agglo pour arriver à boucler le budget voirie,
et que dans le même temps, on annonce qu'on va faire des gros travaux, bon, alors je précise, c'est dans le centre de Dax, par exemple, mais bon, forcément, il y a des communes qui ont réagi, parce qu'ils font des efforts financiers, on leur en demande, et puis on s'aperçoit que tout va partir dans une seule commune, ils ne comprennent pas bien, quoi. Donc forcément, il se passe plein de choses autour de cette voirie, et on n'est pas encore arrivé au bout, parce que de toute façon, on n'a pas encore commencé à voter la nouvelle proposition de la CLEC qui s'est réunie il y a quelques jours. Donc c'est difficile de vous donner des montants et de vous expliquer combien ça coûte, etc., etc. Alors ce que vous avez dit est parfaitement vrai, c'est que nous, on a constaté que notre voirie était dans un état pitoyable et qu'on a proposé de doubler notre participation pour des travaux d'investissement de la voirie sur notre commune. Et comme on le fait toujours dans tous les cas de figure en matière de voirie, et on l'a fait pendant 15 ans d'ailleurs, on est arrivé au bout de 15 ans, on fait ces dépenses-là progressivement, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, nous aujourd'hui, avant la CLEC, sans tenir compte de la CLEC, on donne 800 000 euros de fonctionnement en voirie à la communauté, et on donne 321 000 euros, vous l'avez dit, pour l'investissement. Aujourd'hui. Mais on y est arrivé au bout de 15 ans à ce montant-là. Donc aujourd'hui, là, concernant notre engagement de doubler la voirie, ben on va le faire aussi progressivement. On va le faire sur 4 ans. C'est-à-dire on va mettre la première année, c'est prévu d'ailleurs pour 2021, un tiers, des 321 000 euros. En 2022, 2/3. Ensuite, 3/3. Et ensuite, on fera une année supplémentaire. Et normalement, on a prévu d'arrêter. Puisque si on fait réellement de l'investissement, il devrait y avoir moins de fonctionnement. Par exemple, le quartier des Castors que tu connais parfaitement, quand tu vois qu'aujourd'hui on est obligé de tondre sur des trottoirs qui sont goudronnés, ça veut dire que ça n'a pas été entretenu, sinon ça ne pousserait pas. Donc à partir du moment où on va refaire tout ce revêtement, on n'a plus besoin d'y revenir pour tondre l'herbe dessus, sur ce fameux trottoir. Voilà un exemple. Donc on a prévu, c'est écrit dans le CLEC d'ailleurs, c'est une clause de revoyure. On va se revoir au bout de 4 ans à partir de 2021, en comptant 2021, 2022, 2023, 2024. En 2024, clause de revoyure. Ensuite, les droits de mutation. Les droits de mutation, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de l'extérieur qui bougent à l'intérieur de Saint-Paul. C'est pas ça. Les droits de mutation, ça peut être des gens de Saint-Paul qui déménagent. Quelqu'un qui est dans un petit appartement et qui veut une maison parce qu'il a des enfants, ça c'est le parcours résidentiel qui veut ça. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être des personnes âgées qui sont dans une maison et qui vont retourner dans un appartement. Dans les droits de mutation, ce n'est pas significatif forcément de la population qui vient de l'extérieur dans la commune. Voilà. Après, qu'est-ce de quoi on attend pas ? Il y a beaucoup de choses, hein. Alors, question sur la salle intercommunale, par exemple. Je prends tout en vrac, parce que j'ai noté un petit peu partout, là. La salle intercommunale. Oui, ben écoute, il faut savoir que nous avions, nous, dans notre programme, inscrit la construction d'une salle intercommunale, enfin, du moins une salle de spectacle. Voilà. Alors, effectivement, on va peut-être la faire au niveau de l'interco, mais c'est pas dit que... Quand les études vont être réalisées, quand on va annoncer la jauge qu'on veut, quand on va annoncer les financements que l'on possède pour la réaliser, c'est pas dit que ça passera. Donc moi, ce que j'ai proposé, et que j'ai proposé plusieurs fois, c'était qu'on fasse ça à une échelle plus importante. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'on la fasse ici. Hein. Moi, ça m'intéresserait qu'on fasse à Saint-Paul, ou à Saint-Vincent-de-Paul, ou à Metz, même à Dax, à la limite. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que la jauge soit suffisante et qu'on fasse participer... plus les gens qui viennent des intercos environnantes. Par exemple, qu'on pourrait le faire à l'échelle du pays, ou voilà, on pourrait avoir des financements supérieurs. Bon, donc, on ne sait pas trop où on en est encore, hein, avec cette salle. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté ? Taxe foncière, voirie, évolution de l'attribution de compensation... Oui, mais l'évolution de l'attribution de compensation, elle est beaucoup fonction de... On en a parlé de cette fameuse CLEC, hein, tu le sais. La GEMAPI. Alors, la taxe GEMAPI, elle a été créée pendant l'ancienne mandature. Mais on n'a pas levé la taxe. Mais par contre, on a quand même prélevé en montant sur... Je ne sais plus quoi c'était sur...
sur une autre taxe qu'on a augmentée, mais pour la GEMAPI. Et donc cette taxe, on va nous la rembourser et on va lever définitivement maintenant la taxe GEMAPI, augmentée bien sûr de ce que la communauté a jugé nécessaire. Donc effectivement, hein, oui. Donc on va effectivement payer un petit peu plus cher en GEMAPI, mais on nous restituera les 21 000 euros que l'on payait pour la GEMAPI sans que ce soit sur ciblé taxe GEMAPI. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ensuite, bon, je crois que c'est un peu tout, hein. Droit de mutation. Ah, Tout Malin, tu veux peut-être en parler, monsieur le maire? Allez. Non, effectivement, je peux apporter des compléments. Merci Jean Lavielle pour ces éléments de précision. Déjà pour vous remercier pour votre vigilance, parce que je vois que vous avez l'œil affûté sur les chiffres, c'est une petite coquille qui passe, donc merci de regarder avec attention ces budgets. Et puis moi je me réjouis ce soir que dans le fond on se rejoigne sur de nombreux sujets, notamment la simplification budgétaire en rassemblant les budgets crèches et le budget principal. Quelques éléments là aussi dans ce que j'ai entendu, je reviens un instant sur la taxe foncière et les droits de mutation. Alors déjà du point de vue des compensations et des reversements de l'État. Vous pointiez la problématique des AC, mais également de la DSU. Effectivement, quelle va être l'évolution de la dotation de solidarité urbaine à l'avenir avec l'évolution de notre cité, mais également de l'agglomération? Parce que moi, je mets ça en face du FPIC également, qui est le fonds de péréquation intercommunale, qui a fondu de moitié pour nous cette année, où on s'est retrouvé en plus à contribuer davantage pour le niveau national. Pourquoi? Parce qu'on a deux villes dans l'agglomération qui ont le revenu fiscal moyen qui a très largement augmenté, qui a fait que c'est toutes les communes de l'agglomération, les 20, qui ont perdu à travers le FPIC. Je reviens un instant donc sur la taxe foncière et les droits de mutation. Il y a un an, c'était le 24 septembre 2020, nous avons voté, ici en séance du Conseil municipal, une orientation stratégique foncière et écologique pour la ville jusqu'en 2030. J'ai bien entendu, on nous a dit dans cette assemblée que c'était catastrophique, que ça allait ralentir les investissements, que ça allait tout pénaliser, etc., etc. Force est de constater qu'un an après, au contraire, ça fonctionne bien. Pour toucher ça du doigt aussi, je peux vous le dire, je parle sous le contrôle d'André Humeau, on a également rejeté, j'ai compté, ces 18 projets majeurs pour la commune. Parce qu'on ne veut plus de résidences qui poussent dans les zones résidentielles comme ceci, où finalement des Saint-Paulois se retrouvent du jour au lendemain avec des résidences avec deux étages qui donnent sur leur jardin ou leur piscine, alors que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'ils habitent ici. On a rejeté des projets parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans cette notion de transition écologique, parce qu'ils ne prennent pas en compte les accès à la voirie. Après, ça nous coûte de l'argent lorsqu'il faut aménager, comme l'avenue Pierre-Benoît par exemple, qui ne prennent pas en compte nos écoles, le réseau d'assainissement. Mais vous voyez, malgré ça, on a de nouveaux projets et de nouveaux entrepreneurs qui sont venus nous rencontrer en disant « on a compris ce que souhaite la municipalité de Saint-Paul et Dax, et bien on va s'inscrire dans cette dynamique, et ça c'est porteur ». On n'a pas parlé de toutes les études, mais on a le quartier d'Usteil qui devrait accélérer sur 2022, puisque nous sommes déjà en train de travailler avec l'agglomération à la modification de l'urbanisme. La première pierre de l'éco-quartier également, alors posée physiquement, je ne sais pas, mais administrativement, ça y est, c'est déjà parti pour avoir une première brique en fait de cet éco-quartier depuis le bas du lac jusqu'à l'ouest de la Pince, comme on le souhaite à l'avenir. Donc vous voyez, effectivement, on prépare une autre ville, une ville qui se reconstruit sur la ville et qui est très en connexion avec la transition écologique. Et j'ai le sentiment que ça va continuer, tout en préservant également notre cité. Il y avait un plan de projection qui prévoyait qu'à Saint-Paul, à l'horizon 2030, on serait 20 000 habitants. Nous avons souhaité ralentir par rapport à cette projection pour prendre en compte justement nos voiries, nos schémas de circulation, ces notions de transition, d'assainissement, puisque là aussi la situation est très inquiétante et on aura l'occasion d'en reparler prochainement, notamment avec le SIDEC. Donc moi, je suis très optimiste effectivement sur la suite à donner et l'orientation que l'on a bien fait de prendre l'an dernier. Un mot sur Abbès. Mais Abbès, ça fait 7 ans qu'on en parle, et que finalement ces démarches auraient dû être faites, de le préserver. Donc vous pouvez bien compter sur nous pour non seulement préserver, mais aussi remettre à flot le site d'Abbès. Alors après, ça prendra le temps qu'il faut. Bien évidemment, nous discutons avec le conseil départemental pour arriver à trouver une solution commune. On espère que cela pourra se finaliser sur la première moitié de 2022 pour pouvoir se lancer justement dans la sauvegarde et la mise en valeur de ce site remarquable qu'est Abbès. Ça, bien évidemment, vous pouvez compter sur nous. Je suis même surpris qu'il puisse y avoir une ambiguïté en fait sur ce sujet-là.
Sur les charges de personnel, je laisserai peut-être Sylvie Péduca s'exprimer tout à l'heure, mais on le voit à travers le chapitre 011 quand même sur les dépenses générales, en intégrant et le foyer des jeunes et la crèche, en ayant davantage de services qui ont été expliqués par Jean Lavienne tout à l'heure, on arrive sur un même niveau de dépenses. Donc là, c'est un petit tour de force quand même. Et je tiens à saluer le travail remarquable qui a été mené par les services. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils faisaient le budget communal comme ceci, sous la houlette du directeur général des services, M. Philippe Jacquemoire. Et ils ont abattu un travail remarquable pour être prêts dans ce débat d'orientation budgétaire fin octobre et pouvoir voter effectivement ce budget au mois de décembre prochain. Alors, puisqu'on parlait des différentes rentrées d'argent, un mot également, donc vous avez rappelé la cagnotte fiscale, je rappelle que ces éléments sont dans l'investissement. Donc c'est pour apporter effectivement des solutions d'investissement aujourd'hui à nos concitoyens, et nous l'avons fait sur cette année. Bien évidemment, on va continuer. Je me rappelle que l'an dernier, nous avait été reproché de ne pas assez dépenser en investissement. Vous voyez que les études continuent, et on préfère capitaliser, garder de l'argent pour le moment venu, passer à l'action, comme c'est le cas par exemple avec l'école Jules Barouillet, on en dira un mot tout à l'heure, où là aussi, c'est le moment en fait d'opérer des transformations. Nous avons un soutien remarquable de l'État sur ce projet de l'école Jules Barouillet, puisque l'État va abonder à hauteur de plus de 500 000 euros en fait, par rapport à un projet comme celui-ci, dans une logique en plus de transition écologique, puisque nous allons complètement transformer les bâtiments, les isoler, c'est aujourd'hui des passoires thermiques, et en plus produire de l'énergie propre sur ces bâtiments-là. Donc l'État est un partenaire incontournable pour mener à bien les actions engagées, et c'est le moment, dans le cadre du plan de relance et tous les dispositifs aujourd'hui qui sont à notre disposition. Alors puisqu'on parle de cagnotte, bien évidemment les impôts, mais on nous avait dit, pareil l'an dernier, vous ne baisserez jamais les impôts. Eh bien si, on le fait, et on veut mener une réforme fiscale globale sur la première partie de l'année 2022. Donc ce premier élément, c'est effectivement la baisse des impôts pour les familles saint-pauloises. Et nous allons réfléchir à avoir une contribution plus juste des différents acteurs de la commune. Et cette réflexion est également valable pour l'eau et l'assainissement. Là encore, nous tenons nos engagements. Bien évidemment, nous souhaitons recourir à l'emprunt. Là, rien de nouveau, puisque ça fait 7 ans, enfin un peu moins, qu'on l'exprime dans cette assemblée en disant lorsque l'argent ne coûte rien, c'est justement le moment de pouvoir emprunter pour pouvoir financer nos projets et se donner de nouvelles capacités de financement. Bien évidemment, nous serons très vigilants par rapport à l'évolution de notre capacité d'autofinancement, puisqu'effectivement, on essaie de faire un budget plus juste. On se l'est dit, il n'y a rien de nouveau aussi, pendant des années, en disant que les recettes sont largement sous-estimées et les dépenses sont largement gonflées. Et bien, nous avons essayé de faire un budget au plus juste, qui en plus est une première année de référence, puisqu'on mutualise des budgets, puisque nous sommes en année pleine par rapport à certains personnels, donc en intégrant le foyer des jeunes, mais y compris en intégrant les personnels de la médiathèque et autres. Puisqu'on parlait des impôts, ça nous a mené à l'agglomération. Monsieur Romain, je dis avec le sourire, mais je trouve votre intervention un petit peu baroque concernant les sujets de l'agglomération. Jean Lavielle le rappelait, mais la taxe GEMAPI, c'est la précédente mandature qui l'a créée. Donc de venir nous le dire à nous, c'est un peu surprenant. Là, c'est un taux qui a été voté, que vous avez voté également à l'agglomération. Mais surtout, ce qui se cache derrière la GEMAPI, c'est le financement pour lutter contre les inondations, pour que nos concitoyens comprennent bien la chose. Ce qui est insupportable, entre guillemets, là-dedans, c'est que nous avons un État qui nous transfère des compétences, qui nous envoie des injonctions, mais qui ne finance pas derrière. Alors, il finance en partie, mais il dit, in fine, c'est à vous, à la collectivité, à prendre vos responsabilités et à vous retourner vers vos concitoyens, en fait, pour financer ces mécanismes de lutte contre les inondations. Voilà. On a de moins en moins de liberté dans les collectivités locales pour pouvoir agir par nous-mêmes, pour aller chercher des sources de financement, et à côté de ça, davantage de contraintes de l'État pour aller lever d'impôts sur des fléchages très particuliers. Un mot sur la CLECT. La CLECT, c'est un acronyme pour la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Et là, ce qui anime les débats depuis quelques semaines désormais, c'est la CLECT concernant la voirie. Ça a été rappelé, l'état des voiries est déplorable dans Saint-Paul-et-Dax, et c'est également le cas pour les trottoirs. D'ailleurs, dans le prochain numéro du municipal, vous verrez, on a publié la cartographie qu'on a montrée en réunion publique en juillet dernier pour que chacun se rende compte en fait de l'état de la voirie. La municipalité actuelle avait dit « Nous allons doubler notre contribution fléchée sur l'investissement, que ce soit pour les couches de roulement, les voiries, les trottoirs ou des opérations de structuration, à hauteur de 321 000 euros. » Nous avons pris cette décision et nous souhaitions tenir cet engagement. Entre-temps, ce qui s'est passé,
c'est que la communauté d'agglomération a dit « Oh là 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 là, il y a un trou environ d'1,5 million, et on va demander à l'ensemble des communes de contribuer à boucher ce trou. » Et quelle est la commune qui se retrouve le plus à contribuer ? La ville de Saint-Paul-et-Dax, à hauteur, en année pleine, de 450 000 euros. Donc lorsqu'on ajoute notre contribution volontaire plus ce que nous prélèverait l'agglo, parce que là aussi, il faut le dire, je vais y revenir, notre municipalité est opposée à ces 450 000 euros. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons d'autres communes qui veulent imposer ce montant-là au budget communal en disant « on va vous prendre 450 000 euros pour financer le reste ». Et ça, comme j'ai eu l'occasion de le dire l'autre jour lors de la commission de la CLECT, ça n'est pas admissible. Ça veut dire que demain, certaines communes vont s'autoriser à aller chercher 80 000, 100 000, 150 000 euros à la commune de Metz, à la commune d'Angoumet, à la commune de Narros, sans avoir l'aval des élus municipaux. Bah, c'est une drôle de conception, en fait, de la communauté d'agglomération. Donc bien évidemment, nous avons rejeté le rapport de la CLECT, ce qui n'est pas votre cas. Donc j'entends par là que vous souhaitez valider ce prélèvement de 450 000 euros pour la commune, ce qui nous oblige à revoir notre participation volontaire, puisqu'on vient nous prendre de force davantage d'argent. Et j'observe aussi, d'ailleurs, pour l'anecdote, vous n'étiez pas là, monsieur Romain, je ne vous le reproche pas, mais votre collègue Bruno Dubroca était là, et vous n'y avez pas donné procuration, vous avez donné procuration à un élu d'Aqua. Alors ça, ça m'interroge quand même. Oui, mais ça m'interroge d'aller donner une procuration à un élu d'une autre commune en disant, voilà, vous allez voter pour nous pour les affaires Saint-Pauloises. Donc c'est un petit peu surprenant. Donc je confirme que l'on va bien faire un apport volontaire, parce que ce sont des contributions qui sont croissantes. Donc on va bien faire un apport volontaire pour avoir davantage d'investissements sur les communes. Et André Humeau et Frédéric Durand nous calent les plans pluriannuels d'investissement tels que ça a été présenté dans la réunion publique de début juillet, j'en parlais. Et nous avons cette volonté forte de remettre à flot ce réseau routier Saint-Paulois en intégrant là aussi les voies douces et sécurisées dès lors que c'est possible. Et vous allez voir que nous allons y travailler. C'était présenté tout à l'heure dans le PowerPoint, mais notamment sur l'avenue du Maréchal Foch, avec la sécurisation quand même du secteur autour du Vieux Tachoir, sans faire de publicité en particulier. Ça aussi, c'est un vieux serpent de mer. Eh bien, on va s'y coller. D'ores et déjà, des études sont lancées. Et puis également, au nord de l'avenue Pierre-Benoît, au niveau de la médiathèque, où nous multiplions les réunions pour arriver à caler un giratoire, de sorte à ce qu'on n'encombre pas la 4 voies qui est juste derrière, et donc passer un giratoire et non pas un feu tricolore. Vous nous avez interrogé effectivement sur d'autres points, comme Tout Malin. Le projet Tout Malin, donc, nous avons lancé une première phase. Trois groupements ont été retenus, et désormais ils vont devoir plancher par rapport à un cahier des charges, pour nous définir ce que sera le projet de Tout Malin, avec une restitution qui se déroulera dans l'année 2022. Nous avons souhaité prendre le temps. Pourquoi ? On l'a dit, en raison de la crise et de la pénurie et de l'inflation sur certains matériaux. Aller se précipiter tout de suite, avec des coûts qui explosent de 10%, 20%, on se rend compte qu'il y a des secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre, et là aussi, les prix augmentent très fort, plutôt que de se ruer, en fait, dans cette problématique liée à la crise sanitaire, économique et sociale, nous préférons temporiser un petit peu plus, de sorte à affiner les projets, et surtout voir comment évoluent les cours de matériaux et les tarifs par rapport à cette situation. Concernant Poustagnac, donc c'est la même chose, un premier tour de piste a été fait, un cabinet a été retenu pour pouvoir analyser dans le détail la faisabilité du projet de Poustagnac, tant financière que technique aussi. Au vu du bâtiment, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Pas possible. S'il faut renforcer le bâtiment, quel est l'ordre de grandeur en termes de coûts, etc., etc. Ces éléments sont d'ores et déjà partis. La salle intercommunale, on en a parlé. Hein. Effectivement, beaucoup de questions restent sur la table, même s'il y a une volonté. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vais laisser la parole à Sylvie Péducas juste après. Mais quand même, vous nous dites, vous reprenez votre programme ? Bah oui. Finalement, c'est un budget qui colle avec notre programme, qui colle avec nos engagements, et nous démontrons que nous tenons nos promesses. Oui, je ne vais pas être très, très longue, mais juste pour répondre sur la question donc, des charges de personnel et de la masse salariale, puisque à la fois, je comprends les inquiétudes et l'attention que vous porterez les uns et les autres sur ces charges de personnel, puisque
du budget de fonctionnement dépend aussi la capacité d'investissement à venir, vous l'avez souligné. En même temps, je reste, je l'ai souvent dit dans cette instance par le passé, convaincue que la première vocation de la collectivité, c'est de rendre le service public. Et effectivement, ça passe par de l'humain et ça passe par des charges de personnel. Donc c'est toujours un équilibre effectivement qu'il faut trouver entre ces charges de personnel et le service rendu. Donc, comme vous l'avez noté, nous sommes restés, malgré les difficultés, l'incertitude, nous sommes restés raisonnables, du moins je pense, par rapport au prévu 2021, qui était à 9,17 millions et qui devrait se clôturer à 9,07. Donc, avec ces 9,4 millions inscrits pour 2022, on est sur une augmentation de 4%. C'est finalement 300 000 euros pour 16 emplois effectivement désormais qui vont impacter le budget de la collectivité à temps plein, avec les 11 emplois du foyer des jeunes, l'emploi de la police municipale, les 4 emplois de la médiathèque. C'est aussi, puisque vous avez comparé à 2020, c'est aussi un effort supplémentaire sur les reclassements, donc avec des personnels effectivement qui étaient à demi-traitement et qui ont retrouvé une place dans la collectivité. Donc tout ça, c'est des éléments effectivement qui sont pour nous des éléments significatifs et importants par rapport à ces charges de personnel. Mais nous restons prudents nous restons aussi attentifs au fait que, y compris sur le service rendu, on peut aller chercher des recettes de fonctionnement. Et parfois, il faut faire un petit effort sur les charges de personnel avec quelques recrutements supplémentaires pour rendre un service différent. Et face à ce service différent rendu, effectivement, on peut dégager parfois des recettes de fonctionnement complémentaires, puisque nous avons des partenaires qu'on peut aller solliciter sur des services spécifiques. Et pour revenir sur ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, hein, il y a un travail effectivement exceptionnel qui est fait tant par le service des ressources humaines que par d'autres services comme le service jeunesse ou le service enfance pour aller essayer de travailler au plus juste sur tous ces nouveaux emplois, essayer d'aller chercher effectivement à la fois de rendre le service le meilleur possible et si possible des recettes de fonctionnement pour rendre ce service meilleur sans que ça impacte les familles, puisque la volonté n'est pas d'augmenter les participations des familles, mais d'aller chercher les partenaires qui pourraient nous aider à rendre ce service. Donc j'espère que à la fin de l'année 2022, voilà, on pourra avoir un bilan positif. En tout cas, on s'y emploie à travailler effectivement sur la rationalisation de ces charges de personnel et sur cet équilibre effectivement que l'on cherche sur cette masse-là. Bruno Dubroquin. Bonsoir tout le monde. Juste un petit retour là, sur la CLECT qui s'est déroulée dernièrement. Là. Donc, vous nous avez parlé d'une procuration de Dominique Romain. Ça n'aurait rien changé puisque j'ai également voté pour cette CLECT. Concernant votre abondement là, de 642 000 euros, puisqu'il s'agit de ce montant-là sur 3 ans et non pas sur 4 ans, c'est 2022, 23, 24, pas 2021, monsieur l'adjoint aux finances. Hein. Et pourquoi vous nous avez parlé d'une augmentation du calcul de la communauté d'agglomération, ce montant à 452 000 euros en 2031, puisqu'il augmente de 45 000 euros chaque année à peu près, et donc 450 000 euros, mais en 2031. Vu vous en avez parlé, les coûts des matériaux, je pense que c'est pas une somme extravagante. Or, peut-être que je suis même sûr que le calcul a sûrement été fait au prorata du kilométrage de voirie. Ça avait été plus ou moins estimé comme ça. Or, peut-être que vous avez une autre information par rapport à ce calcul des 450 000 euros. Mais je me pose la question là, une remarque. Et je tiens à préciser que vous nous avez fait part à la CLEC que le calcul de la ville de Saint-Paul était d'abonder de 25 000 euros par an, c'est-à-dire 250 000 euros en 2031. Donc un delta de 200 000 euros par rapport à la proposition de la CLEC. Pourquoi ne pas avoir... Vous êtes calé sur cette CLEC au lieu de mettre 642 000 euros sur 3 ans, comme vous pouvez le faire là.
pourquoi ne pas avoir abondé sur les 45 000 euros de la première année, 130 000 euros de la deuxième année et sur les 90 000 de 2023 et 135 000 de 2024 pour atteindre vos 642 000 supplémentaires à la CLEC, puisqu'apparemment c'était possible, ce qui vous aurait fait une économie de 270 000 euros par rapport aux 640 000 que vous voulez mettre en plus immédiatement. Et ramener aux 25 000 euros que vous proposez, donc 250 000 euros sur 10 ans, ça ferait un montant pour votre proposition de 890 000 euros sur 10 ans en 2031, qui coûte quand même à la commune. Et la CLEC était d'un montant de 910 000 euros, c'est-à-dire 20 000 euros de différence. Pas un budget énorme sur. Après, je salue tout à fait l'investissement que vous voulez porter aux voiries et qui en a bien besoin. Juste une petite précision, non, c'est ça, ouais, c'était sur 3 ans. Et après, sur ce que, par rapport aux les services qui auront leur budget pour dépenses et recettes, comme vous l'avez précisé, je pense que c'était déjà le cas avant. Enfin, je parle de sur ma partie qui m'incombait, c'est-à-dire les services techniques. Chaque service connaissait déjà les montants du budget qu'ils avaient à gérer. Hein. Voilà, c'était tout pour mon intervention. Alors peut-être pour commencer par le second point, mais là aussi il y a une différence, et les gens de la commission finance le voient, et vous le verrez en commission, j'ai oublié de le préciser, mais effectivement les budgets vont vous être présentés dans le détail en commission, là aussi dans un souci de transparence, et nous avons réalisé une ventilation désormais de manière plus détaillée, et non pas par ligne comptable en fait. C'est ce que disait Jean tout à l'heure, c'est effectivement on passe d'une gestion comptable à une gestion de budget. Et ça c'est une différence, et nombreux ont été les responsables de service, c'est-à-dire mais c'est la première fois qu'on fait cet exercice-là. Et avec des pratiques qui interpellent un petit peu, notamment dans le taux de réalisation du budget. Donc c'est pour ça que nous avons fait évoluer l'ensemble de ces éléments. Je reviens sur la CLEC. Ça devient technique, mais c'est important. Et vous avez raison. Donc effectivement, on l'a dit, c'est une progression sur 3 ans. Vous me posez la question, pourquoi ? Parce que chat échaudé craint l'eau froide. On a vu ce qui s'est passé avec l'eau pluviale. En votant montant, basé sur les 10 dernières années d'investissement, on parle bien d'un budget d'investissement là, qu'on va venir nous ponctionner demain sur du fonctionnement, et c'est le point de vigilance que vous aviez tout à l'heure en disant attention à notre capacité d'autofinancement, c'est plus les mêmes budgets là dont on parle, et avec la FCTVA en moins en plus, hein. Il faut voir ça à l'esprit. Et lorsqu'on vient nous ponctionner en fait ce budget-là concernant l'eau pluviale, lorsqu'on arrive en réunion ici avec les services de l'État, le CIDEC, les services d'agglomération, on dit non, c'est pas autant, c'est moins 20% parce qu'il faut aller financer en plus le fonctionnement derrière. Alors là, on dit, qu'est-ce qui se passe ? Et concernant plus particulièrement le budget voirie, André Humeau et toutes les peines du monde à récupérer les données pour savoir ce qui avait été fait, et les élus communautaires pour savoir quelle est la ventilation exacte concernant le budget voirie. Parce qu'on dit un trou, mais le trou, enfin, il se compose comment, c'est quoi, etc. Et quand on regarde en plus dans le détail, on se rend compte que le trou, il n'est pas sur l'investissement, en fait. Il n'est pas sur l'investissement, qui, lui, fonctionne plutôt bien et s'autofinance, en plus. Donc nous, quand on dit on veut mettre de l'argent supplémentaire, c'est pour le flécher directement vers nos routes. En disant on veut plus de voiries, de roulements et de trottoirs supplémentaires qui sont réalisés, pas pour aller boucher un trou. Et les 45 000 euros, c'est 45 000 euros par an, mais qui s'ajoutent. 45 000 euros la première année, 90 la seconde, etc. etc. On arrive à 450 000 euros en année pleine, plus 320 000 euros qu'on viendrait rajouter. Ça nous fait 800 000 euros. 800 000 euros qui ne sont pas de l'investissement, pas de FCTVA non plus, qui sont du fonctionnement. Est-ce que vous estimez que le budget communal aujourd'hui peut soutenir 800 000 euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires ? Alors pourquoi les 45 000 euros aussi ? C'était votre question. Là, c'est pareil, il y a eu plusieurs allers-retours. Parce que notamment, c'était basé sur une projection de l'évolution de la fiscalité dans chaque commune. Et en prenant un prélèvement par rapport à celui-ci. Donc quand on fait notre proposition, c'est qu'on réduit ce taux, en fait, et qu'on le rapporte à quelque chose qui nous semble plus juste et plus accessible pour le budget communal. D'où la proposition complémentaire, en fait, qui a été faite par Saint-Paul et qui, malheureusement, a été balayée d'un revers de main. Dominique Romain. Je terminerai là. Deux ou trois petites choses. Je vois que quand on parle de l'intercommunalité, ça, les yeux s'écarquillent, le ton monte un peu. Ce qui est normal, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux se jouent de l'autre côté de la Dour. Donc on compte
On compte sur nos élus communautaires, bien entendu, pour défendre les intérêts de Saint-Paulois. J'en suis le premier convaincu. Deux petites choses. Vous parliez tout à l'heure de, quand j'ai fait une petite remarque sur GEMAPI, de mon intervention baroque. Alors moi, je suis sur la GEMAPI. Je suis un contribuable lambda et un peu demeuré, certes, mais l'an dernier, sur la colonne GEMAPI des taxes foncières, je voyais zéro. Cette année, pour la première année, j'ai vu un 23% et X euros. C'est sur la base locative. Donc voilà, mon intervention, c'est que il y a eu un vote qui est intervenu cette année, et vous avez, mais il n'y a pas de honte, attention, vous avez voté pour l'application de ce taux de 23%, et Sylvie Pédicas, je dirais qu'il reste droit dans ses bottes, et je l'en félicite, a voté, s'est abstenu. Enfin, malgré tout, la GEMAPI, il faut la financer. Voilà, c'est une intervention comme ça. Donc, l'augmentation des taxes fiscales, c'est d'un côté et de l'autre. Ensuite, pour revenir sur la CLEC, j'en terminerai là parce que c'est un long débat. Hein, parce que je pense que vous allez apporter les intérêts de Saint-Paulois dans les semaines à venir, j'en doute pas. J'avais cru comprendre que tout ce qui est lié, était lié aux voiries rentrait dans des budgets de fonctionnement et pas d'investissement. J'ai cru comprendre ça. Vous me dites que c'est de l'investissement. Igmat Chahine nous a précisé. Enfin, ou alors j'ai mal compris, que de par la loi, ça ne pouvait être que du fonctionnement. Bon, c'est très technique, hein, je vous dis, c'est très technique, on ne va pas en venir là-dessus. Après, le souci, effectivement, quand j'ai envoyé la procuration, en fait, Bruno m'a indiqué qu'il pensait ne pas y aller. Et moi, dans l'intérêt de Saint-Paul, malgré tout, dans l'intérêt de Saint-Paul, effectivement, ne souhaite pas qu'à terme qu'il y ait un blocage de la CLEC, parce que s'il y a un blocage de la CLEC, il faut savoir que le programme, l'enveloppe supplémentaire ne pourra pas être allouée. Donc autant je me contente, je veux dire, de votre programme de doubler sur les 3 ans le budget, plutôt que de prendre le risque sur les 3 ans, et bien d'avoir les trottoirs encore qui continuent d'être ce qu'ils sont, parce que pour l'instant ça fait un an et demi et rien n'a bougé. Donc voilà, surtout qu'il y a une condition, notre monsieur le maire a obtenu le fait qu'il y ait une clause de revoyure. Donc tout ça, dans 3 ans, ça peut être revu. Bon, j'en terminerai là, je ne veux pas aller plus loin, mais je suis assuré que vous défendrez les intérêts des Saint-Paulois. Je vais te répondre par rapport à l'investissement et au fonctionnement concernant la CLEC, et concernant la CLEC voirie. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a commencé il y a 15 ans, pour finir en 2021, pour arriver au bout du compte à ce que, nous soit retiré sur notre attribution de compensation 800 000 euros pour du fonctionnement et 321 000 euros pour de l'investissement. Nous, quand on a expliqué à la communauté qu'on voulait faire des travaux supplémentaires et doubler notre contribution à l'investissement, c'est-à-dire doubler les 321 000 euros. On nous a proposé de le lisser dans le temps, c'est ce qu'on voulait, nous aussi. On ne voulait pas faire ça brusquement du jour au lendemain. Et quand on a pris la décision, on ne savait pas qu'on nous demanderait 1,5 million en plus. Il faut le savoir, ça. Et 1,5 million à compenser, c'est arrivé après. Donc, qu'est-ce qu'on a dit, nous ? Nous, pour nous, si c'est nous qui faisions les travaux, ça serait de l'investissement. Si on devait faire de la voirie, ça ne pourrait pas être du fonctionnement quand on fait du revêtement de la bande de roulement ou quand on refait les trottoirs, c'est de l'investissement. Donc on a proposé, nous, de financer à l'investissement ces travaux supplémentaires. Eh bien, ils nous l'ont refusé parce que dans leur idée, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de supprimer sur l'attribution de compensation que du fonctionnement, parce qu'une fois que c'est fait, c'est acquis et ils l'ont en vitam aeternam. Tandis que si nous, on propose donc ponctuellement d'augmenter ces montants, on peut dire ben, on va le faire sur 2, 3, 4 ans, puis c'est négocié d'entrée, puis c'est terminé, on n'en parle plus. Tandis que là, il va falloir que dans quelques années, donc à la clause de revoyure, il va falloir que tout le monde à l'intérieur, tous ceux qui participent à la CLEC, parce qu'il y aura une CLEC à nouveau, il faudra que majoritairement, ils soient d'accord pour que Saint-Paul arrête de verser ces 321 000 euros.
Voilà, notre courroux, il est par rapport à ça. C'est que nous, on voudrait que ce soit de l'investissement. Par rapport à un fonds de concours. C'est ce que c'est. Vous savez ce que c'est un fonds de concours ? On donne de l'argent à celui qui est chargé de la compétence pour que, pour notre compte, il fasse des travaux. Voilà, on leur donne un fonds de concours. Et là, ils n'en veulent pas. Alors que ça se fait ailleurs. Et en complément, toujours pour l'aglo, merci pour vos précieux conseils, une fois encore. En quoi on aurait honte ? Enfin, franchement, nous sommes très fiers de la politique que nous menons depuis plus d'un an désormais. Et je vous rassure, nous allons continuer. Après, nous parlons avec énergie parce que nous sommes des passionnés pour notre ville. Et quand on voit qu'il y a certaines dérives qui s'installent ou qu'on souhaiterait nous faire passer des choses que l'on ne souhaite pas pour le bien de notre collectivité, alors effectivement, vous pourrez compter sur nous toujours pour les défendre avec énergie. Je reviens un instant sur la GEMAPI. Allons jusqu'au bout. Vous avez fait voter la taxe GEMAPI, pourquoi n'avez-vous pas fait voter les taux dans la foulée ? Non mais enfin, il faut le dire, hein. Pourquoi vous n'avez-vous pas fait voter les taux dans la foulée ? Si demain il n'y a pas de taxe GEMAPI, 34 euros en moyenne par foyer, comment on finance ? Comment on finance ? En train de se dire déjà la voirie, on ne peut pas financer. Donc comment est-ce qu'on finance ? On va reprendre encore dans les attributions de compensation, et donc on va prendre le budget communal. Parce que c'est ça la réalité des choses derrière. En fait, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Concernant la voirie, deux éléments qui sont faux, pardon de vous le dire. Le premier, c'est que la contribution supplémentaire va bien aller sur l'investissement, parce qu'il y a eu deux rapports de CLECT vendredi dernier. Un rapport sur le fonctionnement et un rapport dédié aux contributions supplémentaires de Saint-Paul et Dax fléchées vers l'investissement. Donc il ne peut pas y avoir en fait de dévoiement de cette contribution supplémentaire, ça ira bien sur de l'investissement. L'autre point, quand on dit que rien n'a été fait, juste derrière nous, les trottoirs de l'avenue Maréchal Foch, je pense que les riverains ont vu que des choses ont été faites. Vous aurez le détail là dans le prochain numéro du municipal des voiries qui ont été rénovées sur l'année 2021. Et vous aurez en plus le programme de 2022, qui ne sera pas complet parce qu'on aura certainement des voies complémentaires et des aménagements complémentaires à aller demander aux gens de l'allée d'Ardy ou de l'avenue Napoléon s'ils n'ont pas vu effectivement passer des travaux de voirie cette année ou juste à côté du stade municipal. Bien évidemment, enfin, les gens vont dire mais non, ils ont refait devant chez nous, ils vont bien s'en rendre compte, donc il ne s'est pas rien passé en un an. L'autre point, c'est qu'effectivement la municipalité de Saint-Paul aurait souhaité faire appel à des fonds de concours, comme ça se fait dans d'autres collectivités. Pourquoi on nous les refuse ici ? Parce que si c'est du fonds de concours, ce n'est pas du prélèvement sur l'attribution de compensation, donc ça ne tombe pas dans le budget de fonctionnement, mais c'est bien de l'investissement, et en plus, on pourrait récupérer de la FCTVA. Donc effectivement, on se bat pied à pied par rapport à cette idée qui était la nôtre au démarrage de pouvoir contribuer dans des modalités que nous avions définies à ce moment-là. Donc voilà, je le redis, la voirie, ce n'est pas une option dans ce mandat, c'est une priorité, et nous allons mettre les moyens pour les faire au fur et à mesure. Et de même, pardon de le dire comme ça, mais cette forme de menace qui plane sur plusieurs communes, où lorsqu'on dit « si on ne vote pas la CLECT, il ne va rien se passer », c'est complètement anormal, on contribue déjà. Il y a déjà des plans d'investissement sur les voiries qui sont en cours. Donc nous, on l'a dit, il y a le deuxième rapport de la CLECT qui nous permet d'agir, donc il va bien y avoir de l'action, et si d'aventure ça bloquait, nous réfléchirions à de nouvelles modalités pour faire en sorte que nos voiries soient vraiment restaurées. Voilà ce que je voulais apporter en complément. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire qui sont nourries ? On ne peut que s'en réjouir. C'est la démocratie vivante. Il n'y a pas d'autres interventions dans le cadre du débat, donc nous allons devoir prendre acte du fait qu'il s'est tenu de manière formelle. Deux éléments, je le disais, prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2022 sur la base du rapport annexé à la délibération. Et cette année encore, on a fait un effort de transcription PowerPoint pour que chacun puisse mieux comprendre en fait tout ce qui se cache dans le rapport. Et effectivement, là, on a eu des points de débat, mais je rappelle quand même certains éléments clés par rapport à ce budget 2022 tel qu'il se dessine pour le mois de décembre. Donc c'est une diminution de la fiscalité pour les familles saint-pauloises. C'est un budget maîtrisé sur lequel nous restons vigilants, nous l'avons rappelé. C'est également le premier budget participatif. Et le règlement sera exposé en commission d'ici quelques semaines. Et puis on le voit, c'est du fléchage à nouveau vers de l'investissement, faire avancer certains sujets, vers la transition écologique,
Là aussi, enfin, on l'a vu, on est en train de réfléchir à cette ceinture verte, on va se saisir de certains terrains. Ben, là aussi, ce sont des choix. C'est financer également cette future centrale de production d'énergie, qui est quand même un modèle extrêmement rare en France et même assez atypique pour le nôtre et que nous sommes en train de mettre au point, pour lesquels l'ensemble de nos concitoyens pourront contribuer demain. Voilà, c'est aussi un budget en fait enthousiasmant. Et c'est pour ça que nous le défendons avec énergie. Voilà. Et puis le deuxième point, donc, c'était d'autoriser Monsieur le maire à prendre toute décision nécessaire à l'application de cette délibération. Je mets donc aux voix qui est pour prendre acte et donner cette autorisation. On vote pas le budget, hein, je le rappelle. Qui est contre, pas d'abstention. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Et nous allons continuer à parler des finances. Et on parlait de l'école tout à l'heure, Jules Barouillet. C'est Martine Gaille qui nous en parle. Oui, bonsoir au présent et à ceux qui nous regardent. Nous commençons à placer des fonds déjà, car notre municipalité souhaite poursuivre et terminer la rénovation énergétique du groupe scolaire Jules Barouillet à Saint-Paul-et-Dax. Ce sont des bâtiments construits dans les années 70 et la rénovation de l'élémentaire de cette école a été réalisée en 2019. Donc nous souhaitons aujourd'hui que la maternelle et la cantine qui nécessitent des travaux aussi bien pour le confort des usagers que pour la rénovation énergétique du bâti soient réalisées. L'ancien logement de fonction sera annexé et utilisé comme bâtiment périscolaire. Le choix s'est porté sur un marché global de performance énergétique. Ce type de marché permet d'associer un groupement à la conception, à la réalisation, mais aussi à l'exploitation. Ainsi, le groupement sera responsable des résultats obtenus en termes d'économie d'énergie sur 3 ans. Il s'engagera dès qu'il sera retenu sur l'économie envisagée. Un assistant en maîtrise d'ouvrage aide la collectivité pour la mise en œuvre de ce marché et notamment l'écriture d'un performantiel adapté à cette opération. Les travaux débuteront à compter de février 2022 et s'achèveront en octobre 2022. Ils se réaliseront en site inoccupé. En effet, durant les travaux, 2 classes de maternelle seront accueillies à l'école élémentaire et des bâtiments modulaires seront utilisés pour 2 autres classes de la maternelle ainsi que pour l'UEMA, l'unité d'enseignement maternelle autiste, pour le périscolaire et pour les toilettes. La cantine, elle, sera organisée dans la salle du temps libre. À compter de la rentrée de septembre 2022, la fin des travaux se dérouleront seulement les mercredis, car en effet, la cantine, la maternelle et le logement seront utilisés normalement par les usagers dès la rentrée scolaire. Le montant total de l'opération est estimé à ce jour à 2 137 032 euros TTC. Le vote en autorisation de programme et les crédits de paiement est nécessaire à la réalisation du projet. Il est donc proposé à l'Assemblée de voter le montant de l'autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement relatifs à la réalisation de cette opération, ainsi que détaillé comme suit. Le montant global de l'autorisation de paiement est de 2 137 032 euros TTC. Il y aura une décision modificative proposée pour les crédits de paiement en 2021, car ils seront un peu supérieurs à ce qui avait été prévu initialement. Ils seront de 132 000 euros TTC. Et pour l'année 2022, les crédits de paiement s'élèveront à 2 005 032 euros TTC. L'échéancier ainsi établi est susceptible d'ajustement dans le cadre de décisions modificatives ou de vote des budgets primitifs à venir. Ces dépenses seront équilibrées de la façon suivante, sous réserve des attributions définitives des subventions sollicitées. Alors, subvention de l'État, la DSIL obtenue est de 511 787 euros. Subvention du Conseil départemental des Landes, elle reste à solliciter et peut s'élever et devrait s'élever à 135 000 euros.
La subvention du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine est une subvention à solliciter et bien sûr, nous solliciterons la subvention la plus haute possible. Nous pourrons aussi demander une subvention à la CAGD, qui est normalement de 40 000 euros. La part communale restante sera de 1 450 245 euros. Donc, il est proposé au Conseil municipal de créer une autorisation de programme pour la rénovation énergétique et la mise en conformité de la cantine et de la maternelle Jules Barouillet, avec en plus le bâtiment de l'ancien logement de fonction qui servira d'accueil périscolaire. Cette opération 865 pour permettre un suivi pluriannuel des crédits de paiement. Est-ce que vous auriez des questions ? Non. En complément, la décision modificative arrive juste après. Oui. Pas d'observation. Je mets donc la délibération aux voix qui est pour, qui est contre. Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. On le voit là aussi un projet enthousiasmant qui va changer le quotidien de nos élèves, nos enseignants et nos personnels municipaux. Donc le point suivant, numéro 5, appelle la décision modificative concernant le budget ville. Jean Lavielle à nouveau. Oui, c'est la délibe numéro 5. Vous verrez que je vais vous parler tout à l'heure des 132 000 euros dont Martine vient de vous parler. Alors, cet examen et vote d'une décision modificative numéro 3 du budget ville, la voilà. Alors, la fin de l'exercice budgétaire 2021 approche et l'état d'avancement de certains dossiers nécessite de nouveaux ajustements. Alors, si vous voulez, vous pouvez suivre soit sur les tableaux, soit sur la délib, à vous de voir. Moi, je fais suivre les deux en même temps. Alors, ajustements et dépenses et recettes de fonctionnement. Alors, des ajustements de fin d'année sont nécessaires pour les fournitures des services bâtiments et hygiène et sécurité, ainsi que pour les fournitures administratives de l'ensemble des services. Voilà, c'est dans le 011, en section de fonctionnement dépenses, donc. Vous voyez, dans le 6628 et le 6064, il y a donc 20 000 euros, c'est 10 000 euros pour le service bâtiment et 10 000 euros pour le service hygiène et sécurité. Et les fournitures administratives, 3 000 euros, ça fait aussi partie de ces ajustements de fin d'année. En entretien de bâtiment et entretien de voirie, les crédits supplémentaires résultent notamment de réparations suite à des sinistres. Ça concerne le vitrage de la cantine Lavielle et des feux tricolores. C'est le 615-121 et 615-231 sur le tableau. À la demande du comptable public, le compte 617 doit désormais constater toutes les dépenses relatives et des diagnostics amiantes, quand bien même ces diagnostics sont nécessaires à la réalisation de travaux d'investissement. Ça, c'est le 617. De même, les extinctions de réseau nécessaires dans le cadre des permis de construire accordés par la commune ne s'imputent pas au compte 6558 en minoration, mais en section d'investissement désormais au compte 20422. On le retrouvera tout à l'heure. Quand on fera la section d'investissement. Ensuite, le compte 6228 est abondé afin de faire face aux éventuelles rémunérations de la SAFER si la collectivité venait à la solliciter dans le cadre de vigifoncier avant la fin de l'exercice. Désormais, dans le 014, alors, les ajustements d'atténuation de produits résultent des notifications par la DGFiP, c'est la Direction générale des finances publiques, des dégrèvements supplémentaires accordés sur la taxe d'habitation sur les logements vacants et par la préfecture du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, le fameux FPIC, le FPIC dont vous a parlé le maire tout à l'heure. Dans le 022, la décision est équilibrée par une inscription de crédit en dépenses imprévues. Ensuite, en recettes de fonctionnement, l'essentiel des ajustements au chapitre 73-74 résulte de la nouvelle présentation de l'État de notification du produit des impôts directs. Les compensations d'exonération de taxes d'habitation disparaissent sous cette dénomination. Les recettes du FIC sont divisées par deux. Ça aussi, on vous en a parlé tout à l'heure. Dans le 77, c'est une recette exceptionnelle qui est enregistrée à ce chapitre-là. Elle correspond à l'application des dernières dispositions de la convention de transfert de la compétence de distribution d'eau potable qui prévoyait sur les recettes relatives aux derniers mois de 2019 facturées en 2020 par le SIDEC. Voilà. Ensuite, en investissement, donc c'est l'autre tableau,
Alors, ouverture de 235,68 euros de crédit au compte 165 pour pouvoir les constater en recettes accidentelles. C'est tout simplement la collectivité qui doit mandater les cautions de bibliothèque qu'elle ne peut plus rembourser, faute d'avoir retrouvé les personnes qui les ont versées. Alors, ensuite, dans le chapitre 204, le 20422, la trésorerie nous demande désormais d'imputer en section d'investissement les extensions de réseau Enedis rendues nécessaires dans le cadre de délivrance de permis de construire. Cette dépense s'assimile à une subvention d'équipement versée à Enedis. Cela représente plus de 50 000 euros, dont une partie initialement inscrite en section de fonctionnement à l'article 6558. Alors, dans le chapitre 26, participation et créances rattachées à des participations, ces fameux 1 000 euros. Alors ça, c'est afin de porter le projet de ferme photovoltaïque, une société va être créée. Cette création nécessite que la commune prenne des parts dans cette société. Une enveloppe de 1 000 euros est ouverte à cet effet. Ensuite, dans le 822 et 825, ce sont des travaux et études initialement prévus sur deux programmes distincts pour l'éclairage de la mairie, qui sont finalement regroupés en un seul et même programme. Ensuite, le 862, c'est un abondement du programme de mise en conformité de l'alarme incendie de l'école suite à devis reçus. Les crédits sont pris sur la marge du programme de travaux sur les générateurs de chaufferie du gymnase Tout-Malin. Voilà, on avait, concernant le gymnase, on avait prévu donc l'achat d'une chaufferie. Et il se trouve qu'on a eu l'occasion d'acheter un chauffage d'occasion. Ça concerne la démolition ici du restaurant Les Alizés. Voilà, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà. Alors, ensuite, conformément à la PCP relative à l'innovation énergétique et la mise en conformité de la cantine et de la maternelle, Jules Barouillet, dont vous a parlé Martine à l'instant, les crédits 2021 sont abondés de 85 000 euros, portant ainsi le montant total de 2021 à 132 000 euros. Ensuite, dans le 020, c'est un petit ajustement nécessaire sur les amortissements constatés en 2020. Les crédits nécessaires sont prélevés sur l'enveloppe de dépenses imprévues inscrites au budget primitif. Voilà. Tous ces ajustements doivent se traduire de manière budgétaire et comptable. Si vous avez des questions. Pas d'intervention concernant cette décision modificative. Jamais donc aux voix qui est pour, qui est contre, des abstentions, 5 abstentions. Nous continuons avec, alors en approche de la Toussaint, nous allons parler de vente de monuments funéraires, toujours Jean Lavielle. Alors l'objet c'est de fixer les tarifs d'acquisition de monuments funéraires suite à une reprise de concession. Depuis 2013, la commune effectue des reprises de concession échues depuis plus de 2 ans et non renouvelées sur les cimetières Loustalot et La Pince. À la fin de la reprise desdites concessions et dans la mesure où les familles n'ont pas récupéré les monuments, la commune en dispose librement et peut les proposer à la vente à condition de les vider de tout corps et d'enlever tout signe distinctif. Donc il est proposé au conseil municipal de proposer à la vente les monuments funéraires présents sur les espaces concédés et de fixer un prix par catégorie de monuments. Et nous vous proposons donc le tableau que vous avez en dessous. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des dalles en ciment, des dalles en marbre. Il y a des monuments en ciment et en marbre. Alors il y a des 4 places, 6 places. En fait, on est passé plutôt à choisir, à faire la distinction avec un certain nombre de places parce qu'il peut y avoir des bâtis qui peuvent fuir, où il y a un petit peu d'eau au fond, où on ne peut pas mettre, décemment, on ne peut pas poser un cercueil en bois. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'il peut y avoir des 4-6 places ou des 3 places, alors que ça peut être un monument assez monumental, je dirais. Mais voilà, donc on est obligé de faire une certaine distinction et non pas au mètre carré. Merci de cette présentation très complète de la délibération. J'ajoute donc que les tarifs sont présents dans les délibérations et qu'elles portent également sur le fait d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre de ces ventes. Est-ce qu'il y a des observations ? Non, je mets donc la délibération aux voix qui est pour.
qui est contre. Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Merci. On va clore le chapitre financier avec les tarifs de la piscine à partir du 1er novembre. Oui, les tarifs de la piscine à compter du 1er novembre 2021. Alors, par délibération numéro 2021-079 en date du 22 juillet 2021, le conseil municipal a adopté de nouveaux tarifs pour la piscine municipale. Suite à cette délibération, la communauté d'agglomération de Gradax a formulé une remarque sur le coût trop faible des cours de natation dispensés par les scolaires hors agglomération. En conséquence, nous proposons donc de fixer le tarif des extérieurs scolaires à 70 euros la séance de 30 minutes. Avant, c'était à 30 euros. Par ailleurs, nous profitons de cette délibération pour ajuster les tarifs des cours de natation pour les extérieurs, toujours sans distinction entre les enfants et les adultes, à 80 euros les 10 leçons, entrées comprises. Cela pour tenir compte des tarifs pratiqués au centre intercommunal Aquae, qui lui propose 90 euros adultes et 80 euros enfants. Soit un prix extrêmement abordable, bien éloigné du coût de fonctionnement lié à la séance. Voilà. Donc on propose donc désormais 80 euros, anciennement c'était 100 euros, et 85 euros, anciennement c'était 50 euros. Voilà. Entre le moment où on a voté nos précédents donc, tarifs, vous avez bien compris qu'on a eu des informations sur les tarifs donc ailleurs, concernant surtout, je pense directement à tout ce qui est apprentissage de la natation pour les adultes et enfants à l'extérieur de la communauté, ce qui nous a amené à réviser nos tarifs. Voilà, si vous avez des questions. Pas d'observation. Nous mettons donc la délibération voix qui est pour, qui est contre. Pas d'abstention, adoptée à l'unanimité. Merci et merci à Jean Lavienne pour ce marathon financier du soir. On recommencera au mois de décembre pour l'adoption du budget cette fois. Nous abordons donc le chapitre du personnel communal et nous allons débuter avec la délibération numéro 8 qui concerne le recrutement traditionnel des agents recenseurs. C'est Sylvie Pélucas qui nous la présente. Rapidement sur une délibération effectivement qui revient de manière régulière. Donc la période de collecte du recensement s'étale donc du 20 janvier 2022 au 26 février 2022. Elle est précédée pour les agents recenseurs de 2 demi-journées de formation préalable et d'une journée de reconnaissance sur site. Donc ces agents recenseurs seront chargés sous l'autorité du coordonnateur communal de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser ces questionnaires recueillis conformément aux instructions de l'INSEE de façon à connaître de la manière la plus précise possible notre population. Ces agents recenseurs sont rémunérés sur le grade d'adjoint administratif au premier échelon à l'indice brut 367 sur la base hebdomadaire de 35 heures par semaine à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'au 26 février 2022 pour inclure ces journées de formation. Les dépenses occasionnées par les déplacements à l'intérieur de la commune sont remboursées à raison d'une indemnité forfaitaire annuelle de 615 euros, prévue donc par les décrets administratifs. Voilà, il vous est proposé donc de recruter 3 agents recenseurs, sachant qu'une fois cette délibération votée en conseil municipal, un appel à candidature sera lancé de façon à ce que les personnes puissent se faire connaître. Très bien, les rémunérations sont précisées et il est également demandé d'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches relatives à ces recrutements. Est-ce qu'il y a des observations pour cette délibération, on disait, très traditionnelle? Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Et on continue avec le RIFSEP, troisième fois. Non, il y a d'abord une délibération sur... J'ai sauté le centre de loisirs. Alors on continue le centre de loisirs. Donc d'abord, la mise en place de contrats d'engagement éducatif pour l'accueil des enfants au centre de loisirs pendant les vacances scolaires. Donc c'est une disposition nouvelle pour notre collectivité qui correspond là, elle aussi, au transfert du foyer des jeunes et d'éducation populaire pour notre centre de loisirs. Donc suite à cette municipalisation, il est nécessaire donc de maintenir un taux d'encadrement suffisant pendant les périodes de vacances scolaires
scolaire, puisque pour ceux qui s'agit des mercredis, l'accueil au centre de loisirs peut être assuré par l'ensemble de nos personnels. Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation de ces accueils collectifs de mineurs, dès lors qu'il s'agit de satisfaire à des besoins occasionnels de recrutement. C'est bien le cas ici, puisque selon les périodes de vacances scolaires, qui liées par exemple du sport et culture vacances sur cette période ou pas, donc on va nécessiter, face les besoins, et qui sont importants au niveau de notre centre de loisirs, vont nécessiter le recrutement de contrats d'agents d'engagement éducatif, donc très ponctuels, à raison d'une semaine ou de 15 jours sur les périodes de vacances. Ces contrats d'engagement éducatif concernent le plus souvent des jeunes, Saint-Paulois ou de l'agglomération. Pour partie d'entre eux qui sont en stagiaires BAFA, donc pour obtenir les diplômes nécessaires de façon à pouvoir ensuite poursuivre dans le cadre de ces missions d'animation. Ces contrats d'engagement éducatif, donc comme vous le voyez sur la délibération, sont très spécifiques puisqu'ils donnent beaucoup de souplesse aux collectivités et donc permettent d'avoir recours à quelques latitudes du point de vue de la journée de travail, de la durée du contrat ou encore de l'aménagement des horaires. Donc il vous est proposé d'autoriser la mise en place de ces contrats d'engagement éducatif, donc pour ces personnels assurant ponctuellement de l'animation au centre de loisirs pendant les vacances scolaires, avec un tarif donc, qui est fixé à 61 € par jour ou 70 € pour ceux qui sont placés en fonction de direction. Est-ce que vous avez des questions ? Délibération importante en plus. Pas d'observation, jamais donc aux voix qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Alors cette fois-ci, le RIFSEP, le retour. Le RIFSEP, alors on a déjà examiné des délibérations de ce type-là, puisque progressivement donc, nous intégrons ces modifications des régimes de rémunération des personnels avec l'intégration donc, d'un nouvel élément qui s'appelle le RIFSEP et donc qui inclut des dispositions qui existaient précédemment et qui prenaient la forme de différentes primes. Donc il s'agit là aujourd'hui de profiter du recrutement d'un nouvel ingénieur sur notre collectivité pour intégrer au RIFSEP le grade d'ingénieur avec donc l'ensemble des éléments dont vous pouvez avoir connaissance dans la délibération, à savoir les montants annuels maximum, donc d'IFSE, et de CIA, c'est-à-dire d'indemnité spéciale de suggestion ou encore, je les ai perdus, de complément indemnitaire annuel. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, ce sont les mêmes délibérations avec un nouveau grade simplement que nous intégrons à ce régime. Exactement, et je rappelle donc un nouveau directeur des services techniques nous rejoindra à partir de la mi-novembre en remplacement de l'actuelle directrice qui partira à la retraite en début d'année prochaine. Pas d'observation, qui est pour, qui est contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le prochain point appelle l'approbation du règlement d'utilisation et de mise à disposition des véhicules communaux. Là aussi, c'est une délibération traditionnelle. À nouveau, Sylvie Pélucas. Bien, donc pour cette délibération, vous avez donc en annexe le règlement d'utilisation des véhicules de service, puisque c'est la modification qui avait été opérée l'année dernière pour les véhicules de notre collectivité, avec une modification donc en 2020 de ce règlement, donc pour supprimer les parties correspondant aux véhicules de fonction qui n'existent plus dans notre collectivité. Donc il s'agit, après délibération et présentation en comité technique, de valider aussi ici ce règlement d'utilisation, avec peut-être, que vous l'avez noté si vous avez regardé attentivement, une coquille qui est restée malgré ses nombreuses lectures successives sur l'article 2.1, où il y a encore une petite phrase qui fait référence à l'ancien point 3 et qui sera supprimée donc dans la version définitive qui vous sera donnée. Effectivement, donc on le rappelle, nous avons supprimé les véhicules de fonction ici à la ville, également les véhicules de service avec remisage à domicile, tout comme pour le CCAS. Même délibération qu'on a votée un peu plus tôt dans la journée pour le CCAS. Est-ce qu'il y a des observations ? Qui est pour ? Qui est contre ?
Pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Enfin, le dernier point concernant le chapitre personnel communal, la rémunération des professeurs pour l'école de musique et de danse, c'est M. Sébastien Ducasse qui nous le présente. Comme d'habitude, voilà une délibération aussi qu'on a l'habitude de revoir chaque année, donc qui concerne en effet la rémunération des professeurs pour l'école municipale de musique et de danse. Avant de dérouler cette délibération, je souhaitais en profiter justement pour faire un petit état des lieux sur les effectifs de la présente année. C'est vrai qu'on pouvait craindre, eu égard à l'année difficile qu'on a pu connaître cette année pour l'apprentissage des élèves, un exode massif. Finalement, avec les dispositifs qui ont été mis en place, notamment par la collectivité, avec l'aide apportée aux familles concernant l'apprentissage de la danse, on peut se réjouir d'avoir un effectif qui est stable, puisqu'on était même à 341 élèves l'année dernière, on est à 342 cette année, avec un gain voilà, de 6 élèves pour la musique et une perte de 5 pour la danse. Donc voilà, on peut se réjouir en tout cas de ces effectifs qui sont stables. Donc suite à ces inscriptions, il importe donc de fixer la durée hebdomadaire des professeurs dans la spécialité correspondant à leurs compétences. Vous avez le tableau qui vous est décrit, notamment pour les cours d'enfants, donc avec les cours d'instruments, de danse et d'apprentissage aussi de la formation musicale. Certains professeurs de l'école municipale de musique et de danse seront aussi amenés, dans le cadre de projets définis par la municipalité, à intervenir au sein des différents groupes scolaires de la collectivité. C'est notamment le cas pour le projet de musique à l'école qui a commencé cette année à l'école Jules Barouillet, et on peut s'en féliciter. C'est un bon démarrage et je pense que tout le monde est content, que ce soit les enseignants, les parents et surtout les enfants. D'autres interventions aussi sont possibles dans l'année, notamment au sein des EHPAD ou encore du multi-accueil. Ces enseignants sont rémunérés à hauteur des heures effectives réalisées sur la base des taux horaires relatifs à leur situation administrative. Vous avez également le descriptif des quotités horaires par enseignant pour les cours adultes, en sachant que cette année, on aura 8 élèves adultes contre 9 l'année dernière. Afin d'assurer la coordination pédagogique de l'école municipale de musique et de danse pour l'année 2021-2022, il est décidé d'attribuer également un contingent de 28 heures mensuelles. Le tarif horaire de ces heures de coordination est fixé forfaitairement en référence au 8e échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à formaliser ses attributions comme indiqué dans les tableaux ci-dessus pour tenir compte des inscriptions enregistrées au titre de l'année 2021-2022, en prenant en considération donc que les professeurs sous contrat à durée déterminée seront rémunérés au prorata des heures effectuées en référence au grade d'assistant d'enseignement artistique principal 2e classe, et que les professeurs sous contrat à durée indéterminée seront rémunérés quant à eux en référence au grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique principal de 1ère classe défini selon l'ancienneté et diplôme détenu. Par ailleurs, les professeurs fonctionnaires en déroulé de carrière au sein de la collectivité seront rémunérés par référence à leur situation administrative. Il est également décidé que lorsque sera fait appel à des professeurs extérieurs, une indemnité forfaitaire horaire sera calculée au maximum sur la situation administrative de ces intervenants. Est-ce que vous avez des questions ? Pas d'intervention. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Dernier chapitre, ce sont les affaires foncières. Et pendant que André Humeau récupère un micro et le désinfecte, nous aurons deux délibérations concernant les affaires foncières. La première qui concerne une vente d'une parcelle communale pour pouvoir réaliser la résidence autonomie. Vous le voyez, les projets avancent. Et la seconde qui concerne la transition écologique, puisque la municipalité de Saint-Paul souhaite acquérir des parcelles en proximité des tourbières de Metz, de sorte à pouvoir les protéger. André Humeau. Bien, bonsoir. Il s'agit d'un projet de construction d'une maison d'autonomie prévue sur un terrain appartenant à la collectivité, cadastrée BI 2337. Elle est située entre la Sahel et l'avenue du Maréchal Foch, en face du Steil. Cette résidence d'autonomie propose aux résidents un logement fonctionnel et confortable, dispense des prestations qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie et constitue un lieu de vie collectif permettant de maintenir le lien social. L'association Logea, structure privée à but non lucratif, issue des bailleurs sociaux, a répondu à un appel de projet du département des Landes pour la création de places de résidence d'autonomie, en partenariat avec la ville, notamment le foncier étant communal.
Par arrêté du Conseil départemental du 27 juillet, l'OGA était autorisé à créer une résidence autonomie de 59 places. L'OGA en assurera la gestion et tissera des partenariats avec la CCAS, la CIAS, l'ADAPI et Santé Services. La résidence autonomie sera construite par la société HLM Enéal, qui est foncière médico-sociale du groupe Action Logement. Il est prévu de réaliser une voie douce et ouverte à tous, reliant la rue du Pouillon à l'avenue du Maréchal Foch. Le terrain cadastré BI 2337, d'une contenance de 3697 m², a été estimé par les domaines à 322 200 euros. La société Enéal accepte d'acheter le bien à ce prix. Cette cession est soumise au dépôt d'une déclaration préalable. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer un dossier de déclaration préalable et à signer tout document relatif à la vente de cette parcelle. Y a-t-il des questions ? Nous voilà rassurés sur le prix de vente. Et effectivement, donc là, c'est la traduction de ce projet qui s'inscrit dans une logique de coopération positive, on l'a dit, pour que le bâtiment, ça sert bien dans le paysage, avec les voisins, soit porteur là aussi de transition. Et on parlait de la voie douce qui sera financée dans le cadre du projet. Ça aussi, c'est une approche que l'on souhaite promouvoir à l'avenir. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, on termine avec ces parcelles près de la ville de Metz. Voilà. Des parcelles de la ville de Saint-Paul, excusez-moi. Près de Metz, voilà. Le Conservatoire des espaces naturels, CEN, a pour mission d'organiser la conservation, l'entretien et la mise en valeur des tourbières de Metz, identifiées comme des espaces naturels sensibles à protéger. Dans ce cadre, le CEN a identifié des terrains limitrophes aux tourbières le long des ruisseaux d'Ardy, situés sur notre commune au lieu dit Cardenau, et a voulu engager des démarches pour acquérir ces parcelles. La possibilité d'exercer son droit de préférence par un voisin présente un risque pour le CEN d'être évincé de la vente. Aussi, le conservatoire a demandé à la commune, par le biais de la SAFER, d'exercer son droit de préférence en application de l'article L331-19 du Code forestier, afin de s'assurer que ce bien garde une vocation naturelle et soit entretenu en harmonie avec les tourbières de Metz. Ce type de démarche s'inscrit pleinement dans la volonté de la municipalité de préserver les éléments naturels remarquables de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à engager la procédure d'achat des parcelles cadastrées AH86-87 et AI51 d'une contenance totale de 2 hectares 71 ares et 36 et 76 centiares appartenant à Mme Giraud-Thérèse pour un montant de 4 000 euros, auquel s'ajoutent 480 euros toute taxe de prestation au service de bénéfice de la SAFER. Le conseil, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je mets donc la délibération aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Le point numéro 15 appelle la délégation de pouvoir. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions ? Non, nous en prenons donc acte. Et pour terminer, donc pour rappeler une information, dimanche, animation à partir de 10h avec les phénomènes sur la place du marché dans le cadre d'Octobre Rose. Nous vous y attendons nombreux. Et une précision également, puisque vous commencez les affiches et les flyers à disposition un petit peu partout. La médiathèque ouvrira au public le 10 novembre avec 5 jours d'animation du 10 au 14. Là aussi, nous vous y attendons nombreux. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci à tous et bonne soirée.